fœtus dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et c'est parti.
Bonsoir. Donc, mes chers amis, mes chers collègues, bonsoir. Toujours un plaisir renouvelé ce soir de vous retrouver en ces mardis de la Société marocaine de cardiologie, soutenue ce soir par les laboratoires SU, que nous remercions vivement donc, pour leur soutien à la réalisation de ce webinaire. Donc, la thématique retenue ce soir est la sténose mitrale. Donc, c'est un sujet qui est très important, très intéressant. Connaissant la fréquence de la valvulopathie mitrale rhumatismale sous nos yeux, donc, on sait très bien que c'est la valvulopathie mitrale rhumatismale la plus fréquente et qui atteint essentiellement le sujet jeune. Donc, c'est une pathologie au niveau de laquelle nous devons nous atteler donc, à bien la comprendre, à bien l'étudier. Et ce soir, nous avons des communications qui vont être présentées par des jeunes cardiologues de talent qui se sont beaucoup intéressés à la pathologie mitrale rhumatismale, qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Et leurs communications ont été présentées ailleurs. Et nous avons jugé intéressant de pouvoir partager ces communications et ces expériences avec notre communauté cardiologique nationale. Donc, ce rétrécissement mitral du diagnostic à la prise en charge, en mettant essentiellement l'accent sur la prise en charge, sur la dilatation mitrale percutanée. Et Mesma se fera un réel plaisir de présenter la belle série quasi nationale qui a été encadrée avec beaucoup de brio par notre professeur maître de pratiquement la communauté cardiologique marocaine, qui est le professeur Haitham Naïma. Alors, comment qualifier le professeur Haitham Naïma? Je ne sais pas comment la qualifier. Professeur Haitham Naïma, l'exceptionnel professeur Haitham Naïma, la dévouée, professeur Haitham, la passionnée, professeur Haitham, l'aimée. Les mots sont incapables de te décrire, professeur Haitham Naïma, et tu le sais très bien. Quoi te dire? Comment qualifier le ressenti de toute la communauté cardiologique marocaine? Et c'est aujourd'hui une occasion, petite occasion, de te rendre un hommage, mais en fait, tu auras l'hommage que tu mérites quand l'occasion sera là et de te voir en présentiel avec les tiens, toutes les personnes qui te sont chères, toutes les personnes qui te chérissent, toutes les personnes qui t'aiment, toutes les personnes que tu as pu encadrer, que tu as pu côtoyer de près ou de loin. Professeur Leitner-Emma, les mots sont incapables de te dire à quel point nous t'aimons, à quel point nous te respectons. Et pour toi, on te dédie ce beau webinaire. Donc, je céderai la parole au cours de ce webinaire pour la modération au professeur Saïd Belhage, professeur de chirurgie cardiaque que tout le monde connaît, et le docteur Nadia Fikri, qui est la trésorière de notre Société marocaine de cardiologie, pour modérer, animer ce webinaire et présenter les différents orateurs. Quant à moi, je vous retrouverai en session et en fin de webinaire, comme à l'accoutumée, et je vous souhaite un excellent webinaire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je peux prendre la parole, Aïcha? Vas-y, c'est à toi. Bonsoir. Alors, à mon tour, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve, mes chers amis et collègues. Je vous retrouve ce soir pour un nouveau webinaire qui est organisé justement dans le cadre du programme de la Société marocaine de cardiologie qui s'est tenu tout au long de cette période de pandémie, certes qui a été difficile pour nous tous, mais qui était
en même temps très riche concernant tous les échanges qu'on a pu avoir entre nous, dans le cadre aussi d'une formation continue qui n'a pas été arrêtée tout au long de cette période. Et pour d'abord parler de ce Covid-19, où on était tous curieux de savoir tous les détails concernant la pathologie, concernant le traitement, concernant l'évolution, les bons conseils qu'on va tenir les uns et les autres envers nos patients, envers notre entourage. Puis, on a commencé à parler de sujets aussi intéressants les uns que les autres. Et ce soir, on va parler donc de la valve mitrale, et plus précisément du rétrécissement mitral. Cette pathologie qui est toujours présente dans les pays en voie de développement, et au Maroc aussi. Et c'est pour ça qu'on a de grandes séries donc, qui ont été faites à l'hôpital. Et donc ce rétrécissement mitral, je ne peux pas parler de rétrécissement mitral comme a dit Aïcha sans parler de la technique de dilatation mitrale. Cette technique donc, qui a débuté dans le service de cardiologie A à l'hôpital Avicenne depuis 1986, d'abord par le professeur Assed et le professeur Madame Lheitem, et avec une des plus grandes séries au monde, arrivant jusqu'à 5000 patients. Donc, je suis désolée Aïcha, mais je dois reprendre et parler de Madame Lheitem, je ne pourrai pas ne pas le faire, parce que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler à ses côtés pendant plus d'une dizaine d'années. Et j'ai eu cet amour qu'elle m'a transmis, je lui ai toujours dit, pour cette valve mitrale et pour cette technique. Alors, je serais incapable de résumer toutes ces sensations, tous ces moments de partage, tous ces moments difficiles qu'on a eus ensemble. Et donc, je rends hommage à cette grande dame ce soir, cette grande dame qui a lié le savoir et l'humanité. C'est une femme qui est dévouée pour son métier, qui est aimée par nous tous. Il n'y a pas, c'est à l'unanimité, tous les cardiologues du Maroc apprécient cette dame, qui l'ont côtoyée de loin ou de près. Elle a laissé une trace envers tout le monde. Je peux vous dire qu'il n'y a pas vraiment de mots pour la décrire et pour lui rendre son réel hommage. Donc, je lui souhaite une longue vie, Madame Lheitem, et on t'aime tous. Et voilà, donc on va parler de ce sujet que tu aimes tant, et ce qui est le rétrécissement mitral. Il y a donc, comme a dit Aïcha, de jeunes cardiologues, mais qui sont brillantes. Aïcha d'abord va prendre la parole, suivie par qui est notre présidente, échocardiographiste brillante, et qui va savoir comment quantifier ce rétrécissement mitral, et des fois les difficultés qu'on retrouve quand il est associé à d'autres valvulopathies. Et elle va savoir le faire avec beaucoup de pédagogie, comme elle l'a toujours fait. Puis il y a Dr Hesna Belrhiti, notre secrétaire générale de la Société marocaine de cardiologie, qui va parler, je vous laisse découvrir, elle va parler du rétrécissement mitral au-delà des symptômes. Et en mettant le point sur des points forts. Et puis notre jeune cardiologue brillante Nesma Bendara qui va parler au-delà justement les limites de cette dilatation mitrale. Et je suis contente de modérer ce webinaire avec le professeur Belhaj. Qui ne connaît pas le professeur Belhaj, un grand chirurgien cardiovasculaire qui a travaillé longtemps à l'hôpital avant d'aller dans le secteur privé. Tout le monde le connaît et est reconnu pour ses grandes compétences. Donc, avant de commencer ce webinaire, je passe la parole au professeur Belhaj, qui va, je crois, nous faire un petit historique sur le rétrécissement Belhaj. Si Belhaj, la parole est à vous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfaitement. Merci beaucoup, Madame Fikri, pour votre présentation. À mon tour de remercier la Société marocaine de cardiologie pour son aimable invitation qui me fait un grand plaisir, le plaisir d'être parmi vous et en profiter pour la féliciter la Société avec la présidente, mais tous ses membres pour leur dynamisme, leur activité permanente qui n'a pas été stoppée et elle est difficile à stopper, qui n'a pas été stoppée par cette pandémie de Covid. Au contraire, elle a même plutôt activé et multiplié. Bon, vieux comme je suis, je vais me permettre de vous parler d'historique
pas seulement pour le plaisir de parler, mais pour rappeler aux jeunes ce qui a été la prise en charge du RM au Maroc. Et je pense que les cardiologues marocains doivent être fiers de ce qui a été fait au Maroc et pas beaucoup de gens connaissent ce qui a été fait. Je vous rappelle que le traitement chirurgical du rétrécissement mitral au Maroc a commencé au début des années 60. Et pour rendre justice à toutes les personnes qui ont participé à ça, je citerai d'abord à Casablanca le docteur Chevret et le docteur Bojibar qui ont fait des commissurotomies à la fin des années 50, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans. Et je vous dis que j'ai opéré l'année dernière une dame qui a une commissurotomie à cœur fermé chez le docteur Bojibar il y a 40 ans et qui est revenue pour une fuite aortique. Et j'ai longtemps hésité avant de changer sa valve mitrale parce que la valve était toujours ouverte et elle avait plus de 1,8 cm² de surface mitrale. Donc, en même temps, à Casablanca, le docteur Bojibar et le docteur Chevret, à Rabat, un grand monsieur que peu de gens connaissent parce qu'il était aussi discret, modeste que travailleur et efficace, c'est le docteur Ruben Galindo qui a initié la commissurotomie à Rabat et qui en a fait des centaines, voire des milliers, avec très peu de moyens, mais avec d'excellents résultats. La relève a été prise ensuite par l'équipe du professeur Alaoui Lahmo et cette équipe composée des professeurs Maazouzi, Drissi, Slaoui, Mergad et moi-même. Et cette équipe a fait plus de 10 000 commissurotomies à corps fermé qui ont rendu des services énormes à tous les Marocains, à beaucoup de Marocains, au prix de moyens très faibles, avec d'excellents résultats, avec très très peu de complications. Et ces commissurotomies à corps fermé étaient en fait au début basées uniquement sur la clinique. Il n'y avait pas d'échographie. L'échographie n'a commencé, je me rappelle les balbutiements du TM, c'était début des années 80. Et c'était essentiellement la clinique qui guidait. Et je vous dis qu'on a exceptionnellement trouvé des RM peu serrés quand on opérait ces malades-là. C'était une intervention rapide, efficace et, comme je vous ai dit, sans risque. On faisait chaque jour 2-3 opérations à cœur fermé, des commissurotomies à cœur fermé, et avant d'entamer donc le programme des CEC. Alors, ensuite est apparue la technique de la dilatation mitrale percutanée qui, bien entendu, avait pour elle l'innocuité, donc l'absence d'incision, d'anesthésie, etc., même si du point de vue moyen, elle revenait beaucoup plus chère qu'une commissurotomie à corps fermé. Donc, sa technique a été initiée par le professeur Shahra Assad donc, au milieu des années 80. Et puis, le flambeau a été pris par Madame Leitem, à laquelle je me joins à vous et je lui rends donc un vibrant hommage et en se rappelant qu'on a été interne en même temps et qu'on a fait nos choix de spécialité en même temps avec le professeur Habir également. Nous avons travaillé beaucoup de questions de cardiologie, de rythmologie ensemble. Alors, je ne vous dirai pas l'année, ce n'est pas la peine. Le flambeau est pris, je l'espère et je le souhaite et j'en suis sûr, par Madame Bendra, qui est la fille de Madame Leitem. C'est un lourd flambeau, mais je suis sûr que tu vas, Inch'Allah, le continuer et le développer encore plus, puisque je vois que ton appétit et que tu es en train d'entrevoir de pousser encore les limites, c'est très très bien. Mais c'est aussi bien de savoir se fixer des limites et s'arrêter donc à certaines limites. Donc le Maroc a été pionnier
dans la prise en charge du rétrécissement mitral avant l'ère de l'échographie et après l'ère de l'échographie. Et bien sûr, l'échographie est venue donc affiner encore plus ce diagnostic, affiner encore plus cette évaluation du rétrécissement mitral afin de ne confier au dilatateur ou au chirurgien que les cas qui sont vraiment de belles indications. Donc, je fais le saut tout de suite pour vous dire qu'en fait, ce que nous demandons à l'échographiste, que ce soit le chirurgien ou le cathétériseur, c'est essentiellement de répondre à deux questions. Est-ce que le rétrécissement mitral est serré ou pas? Que ce soit un rétrécissement simple, isolé ou associé à une autre valvulopathie. Et deuxièmement, et ça malheureusement, on ne le voit pas toujours, mais c'est très important, est-ce que ce rétrécissement mitral peut être justiciable d'une dilatation mitrale percutanée? Une fois qu'il a répondu à ces deux questions, la suite devient très simple. On va faire le TO, on ne va pas faire le TO, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de répondre à ces deux questions chaque fois qu'on est devant un rétrécissement mitral. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement et je crois que la transition est toute faite et je vais passer donc la parole à Madame Awad à laquelle je rends un vibrant hommage pour son dynamisme et sa compétence et la laisser donc nous développer ce côté échographique du rétrécissement mitral. Merci Monsieur Belhaj pour vos paroles élogieuses et donc je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon, les amis? Oui, c'est bon, parfait. C'est bon. Donc, voici, donc on va démarrer ce webinaire avec les trois présentations sur le rétrécissement mitral. Pour ma part, la question à laquelle je suis attelée de répondre, et en particulier donc, la quantification de la sténose mitrale, mais dans des cas un petit peu compliqués, en vous montrant, en particulier chez le polyvalvulaire, en vous montrant effectivement quelles sont les difficultés de quantification, les pièges, et les limites de certains paramètres de quantification qu'on a l'habitude d'utiliser pour la quantification d'un rétrécissement mitral pur. En fait, la question qui se pose, et comme a dit M. Belhaj, pourquoi quantifier de façon minutieuse un rétrécissement mitral? Pourquoi essayer de le faire de façon tout à fait propre et minutieuse? Ben, tout simplement parce que c'est sur la base de cette quantification du rétrécissement, voilà, c'est sur la base de la quantification de la sévérité de cette sténose mitrale et sur la base de l'évaluation morphologique de l'appareil valvulaire mitral, à la fois de la valve mitrale et de l'appareil sous-valvulaire. Donc, c'est à la base de cette quantification et de cette analyse morphologique que les différentes recommandations émanant des sociétés savantes, que ce soit la Société européenne de cardiologie ou les sociétés américaines de cardiologie, c'est sur la base de cette quantification et de cette évaluation morphologique qu'on va pouvoir, si vous voulez, proposer, lorsque le rétrécissement mitral est serré, soit une chirurgie ou une dilatation mitrale percutanée lorsque les caractéristiques morphologiques le permettent. Donc, d'où l'intérêt donc, de cette quantification tout à fait rigoureuse et tout à fait soignée. Et vous voyez sur ce tableau que selon les recommandations donc des sociétés savantes qui émanent des années 2012 mais qui sont toujours d'actualité, donc un rétrécissement mitral est jugé comme étant serré lorsque la surface mitrale évaluée par différentes méthodologies que nous allons lister tout au long de ce webinaire est inférieure à 1 cm carré et que le gradient mitral moyen est supérieur à 10 mm de mercure, mais chez des patients qui sont en rythme sinusal,
avec une fréquence cardiaque inférieure à 80 battements par minute et à condition que le rétrécissement mitral soit pur. Donc, vous pouvez imaginer dès à présent les différentes limites que peut supporter ce gradient transmitral moyen si on considère uniquement ce gradient pour juger de la quantification d'une sténose mitrale. Et on va revenir sur les différentes, si vous voulez, les différents écueils, les différentes limites de ce gradient de pression. Donc là, je vais vous montrer un cas clinique d'une jeune patiente qui a un antécédent d'angine à répétition dans l'enfance et qui se présente pour une dyspnée stade 2-3 de l'ANIA, qui est connue porteuse d'une valvulopathie mitro-aortique, comme vous pouvez le constater, et chez laquelle nous devons essayer de s'atteler sur donc, l'évaluation du degré de sévérité de sténose mitrale. Est-ce que ce RM est réellement serré et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette patiente? Donc, vous voyez très bien que la valve est souple, qu'il existe donc un aspect en genou de la valve mitrale antérieure, qu'il existe une restriction du mouvement du feuillet valvulaire postérieur et que vous voyez que de façon parallèle ou de façon concomitante, donc il existe un épaississement important des bouts distaux de la valve aortique, donc ici que vous voyez là donc, sur cette incidence parasternale gauche au grand axe, et qu'il existe déjà un hiatus diastolique donc au niveau de la valve aortique, laissant supposer qu'il existe une fuite aortique concomitante. Et vous voyez sur cette image arrêtée donc, l'appareil sous-valvulaire qui paraît souple, de bonne cinétique. Et ça, c'est important à évaluer dans les décisions thérapeutiques. Donc, voici donc, en zoom cet appareil sous-valvulaire qui semble épais, mais qui garde une cinétique, qui garde une longueur qui est respectable. Et vous voyez ici donc, le corollaire donc, en incidence apicale 4 cavités en zoomant sur la valve aortique. Vous voyez donc ici l'épaississement de la valve mitrale qui est souple et vous avez ici donc, l'appareil sous-valvulaire qui est long et de cinétique correcte. Ici, en petit axe, vous voyez la valve, un zoom sur la valve mitrale, vous voyez qui est épaissie avec une fusion des deux commissures et sur cette incidence, on pourra éventuellement donc, faire une planimétrie de la surface de l'orifice mitral permettant d'avoir donc, une évaluation précise de la surface mitrale en planimétrie. Là aussi, vous avez le retentissement du rétrécissement mitral, une dilatation importante de l'oreillette gauche, une dilatation de l'oreillette droite, une hypertension artérielle pulmonaire donc, autour de 45 mm de mercure, si on suppose que la POD est à 15 mm de mercure car la veine cave n'était pas très compliante. Et là, vous avez donc l'évaluation de la valve aortique, donc l'épaississement valvulaire aortique, je vous ai montré tout à l'heure, la fuite aortique centrale avec une jolie zone de convergence qu'on avait dégagée ici, mesurée à 7 mm pour une vitesse d'aliasing à 23 cm par seconde qui a donné une surface d'orifice régurgitant entre 20 et 30 mm², donc jugée donc, modérée à moyenne, et une augmentation des gradients qui, dans ce cas particulier, tournait autour de 60 mm de mercure avec une Vmax du flux aortique à 4,90 m. Donc, une authentique maladie aortique associée à un rétrécissement mitral qu'on nous demande de quantifier de façon minutieuse. Donc, comme on l'a vu précédemment, la quantification de la sténose mitrale, l'évaluation de la sévérité de la sténose mitrale passe par l'évaluation de la surface mitrale et à moindre mesure par l'évaluation du gradient mitral moyen. Donc, cette quantification ou cette évaluation de la surface mitrale, il y a plusieurs artifices techniques pour pouvoir donc, dire que la surface mitrale est égale à 1 ou 2 cm². Donc, comme vous le savez tous, la planimétrie, et ça, on a l'habitude de le faire tous ensemble pour évaluer donc la sévérité de la sténose, mais il y a d'autres possibilités techniques qui sont l'équation de Hattel, qu'on appelle aussi pressure half-time, l'équation de continuité, et dans certains cas particuliers, comme ce qui peut se faire pour l'évaluation
de l'orifice régurgitant pour la fuite mitrale ou pour la fuite aortique, eh bien, la PISA peut nous aider dans certains cas particuliers, et je vais vous montrer, à l'évaluation de la surface mitrale, donc pour évaluer le degré de sévérité de cette sténose mitrale. Alors, qu'en est-il donc de l'évaluation par la planimétrie de l'orifice mitral? Quels sont ses avantages, ses inconvénients, ses limites, en particulier chez le polyvalvulaire? Donc, on sait tous que la planimétrie est considérée comme la méthode de référence pour la mesure de la surface mitrale, et c'est elle qui a offert les meilleures corrélations donc avec les évaluations anatomiques en milieu chirurgical qu'avec l'évaluation de la surface mitrale par la formule de Gorlin en hémodynamique. Alors, l'avantage de cette planimétrie, c'est qu'elle n'est pas dépendante des conditions de flux. Elle n'est pas dépendante de la fréquence cardiaque comme le gradient, et elle n'est pas dépendante de la compliance des chambres ventriculaires ou auriculaires gauches, et en particulier, elle est donc n'étant pas, si vous voulez, dépendante de la compliance de l'oreillette gauche, elle peut être tout à fait praticable dans l'évaluation de la surface mitrale post-dilatation mitrale percutanée, contrairement donc au PHT. Et un avantage certain, c'est qu'elle n'est pas influencée, comme des autres paramètres que l'on va voir, par l'existence d'une autre pathologie valvulaire, en l'occurrence une fuite mitrale, ou, comme dans ce cas particulier, elle n'est pas influencée par l'existence d'une fuite aortique, d'une sténose aortique, ou encore d'une régurgitation ou d'une sténose tricuspide associée. Donc le message, c'est que chez le polyvalvulaire, si on a une technique à recommander pour l'évaluation de la sévérité de la sténose mitrale, c'est l'évaluation par la planimétrie de l'orifice mitral. Donc là, c'est juste pour vous montrer les excellentes corrélations de la planimétrie avec, donc si vous voulez, de la surface obtenue en planimétrie avec la surface obtenue par la formule de Gorlin en hémodynamique ou par les mesures chirurgicales en péropératoire. Les difficultés, essentiellement, l'échogénicité qui n'est pas optimale, réglage des gains, difficulté en cas de fibrillation auriculaire, auquel cas répéter les mesures, moyenner les mesures, difficulté en cas de grosses calcifications, les petites calcifications comme je vais vous les montrer, qui peuvent être commissurales ou qui peuvent être au niveau du corps valvulaire, ne constituent pas en soi une limite à la réalisation d'une planimétrie, pour autant que la personne qui fasse l'examen et une certaine expertise, et donc il faut s'entraîner à faire ça. Donc voici donc un petit mot de technique. Donc en parasternal gauche, petit axe, en utilisant le zoom avec un réglage optimal des gains, on va utiliser le cinéloop et on va essayer de friser une image en mésodiastole. Donc l'intérêt de mettre l'électrocardiogramme quand on veut mesurer donc une surface mitrale de façon minutieuse et propre. Et on va donc tracer le contourage de l'orifice mitral en incluant une commissure si toutefois celle-ci est ouverte. Dans ce cas particulier, donc je vous ai montré le cas d'une autre patiente, donc là on a une surface mitrale qui tourne autour de 0,8 cm² et qui cible l'existence d'une sténose mitrale serrée. Donc je vous ai dit tout à l'heure les difficultés en cas de calcification. Là, vous voyez une calcification commissurale, mais qui n'entrave pas la réalisation d'une belle planimétrie de cet orifice. Par contre, ici, vous avez des grosses calcifications aussi bien au niveau du corps valvulaire que de la commissure. Là, on voit très bien que le RM est serré, mais on n'arrive pas à dire exactement si c'est 0,5 ou 0,6. De toute façon, ici, il est serré. Là, vous avez des grosses calcifications, donc on voit rien du tout. C'est un bloc calcaire avec un septum paradoxal, une hypertension artérielle pulmonaire très évoluée. Ici, donc, il est utopique de vouloir faire une quelconque planimétrie de cet orifice. Alors, on a parlé de la planimétrie en 2D, mais il faut savoir que la planimétrie est tout à fait réalisable en échographie tridimensionnelle quand l'échogénicité est insuffisante, quand on a des difficultés donc, d'avoir une jolie surface mitrale, on peut s'aider donc, de l'échographie tridimensionnelle. Il faut savoir que cette réalisation par l'échographie tridimensionnelle est plus facile
qu'en échographie bidimensionnelle usuelle. Et donc, cela a été bien démontré donc, par le travail qui a été mené par Dreyfus et collaborateurs au début des années 2010, qui montre que la corrélation donc, est meilleure en écho 3D chez les jeunes non expérimentés et qu'elle est meilleure en écho 2D chez les seniors plus expérimentés. Donc, les jeunes ont tendance à vouloir faire, si vous voulez, des planimétries en échographie tridimensionnelle. Donc, je vous ai montré un petit peu les avantages, les limites de la planimétrie en mettant l'accent essentiellement sous nos yeux sur l'intérêt de la planimétrie chez le polyvalvulaire. Alors, qu'en est-il maintenant de l'évaluation de la surface mitrale par la fameuse formule de Hatton ou par ce qu'appellent les anglo-saxons le pressure half-time? Alors, qu'est-ce que c'est que ce pressure half-time? Eh bien, c'est le temps en millisecondes qui est entre, si vous voulez, le gradient maximal protodiastolique et le moment où ce gradient chute de moitié. Donc, on appelle ça pressure half-time. Et M. Hattel a permis de montrer que par cette formule empirique, qui est de 220 sur PHT, on pouvait avoir une idée sur la surface mitrale en centimètres carrés. Et donc, en utilisant, comme dans l'exemple ci-dessous, la formule 220 sur PHT, on peut obtenir une surface mitrale qui, dans le cas particulier de cette patiente, est mesurée à 1,2 cm². Et donc, on se dit Eldorado, on a donc la courbe Doppler du rétrécissement mitral, on tire une courbe et hop, on a la surface mitrale et le tour est joué. Quoique ce paramètre a de très nombreuses limites. Il ne peut être effectué que lorsque le rétrécissement mitral est pur et isolé, sans atteinte concomitante d'une pathologie fuyante ou régurgitante mitrale ou de l'existence d'une pathologie aortique, qu'il s'agisse d'une fuite ou d'une régurgitation ou d'une sténose aortique. Donc, à chaque fois que vous avez une fuite mitrale au moins modérée ou une insuffisance aortique modérée, un rétrécissement aortique, il est utopique de vouloir utiliser donc, ce paramètre pour l'évaluation de la surface mitrale, car vous allez faire des bêtises à tous les coups. Et là, je vais vous démontrer que l'utilisation du PHT lorsqu'il existe une fuite aortique au moins modérée associée n'est pas un bon indicateur de la sévérité de la sténose mitrale, comme le cas que je vous ai montré, le cas clinique que je vous ai projeté tout au début de mon exposé. Ici, vous avez la courbe de pression ventriculaire gauche en l'absence, si vous voulez, de fuite aortique. Et en jaune, vous avez donc la courbe de pression de l'oreillette gauche. Et vous avez ici, en corollaire, ce que vous obtenez en échographie, c'est-à-dire la courbe, si vous voulez, ou là, le spectre recueilli en Doppler continu au travers de la valve mitrale et qui va vous permettre de calculer le gradient mitral moyen et le gradient maximal mitral. Vous voyez ici, en vert, la courbe de pression ventriculaire gauche en cas de fuite aortique associée. On sait qu'en cas de fuite aortique, il existe une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche et donc vous avez une ascension de la courbe vers le haut, ce qui fait que la différence de pression là entre l'oreillette et le ventricule gauche va baisser de façon plus rapide. Et quel est le corollaire? C'est une pente de décélération qui est beaucoup plus abrupte. Et qui dit pente de décélération plus abrupte dit PHT plus court. Qui dit PHT plus court dit, si on s'en tient à la formule 220 sur PHT, avec un PHT plus petit, on va avoir une surface mitrale plus grande. Qui dit surestimation de la surface mitrale dit sous-estimation du degré de sévérité de la sténose mitrale. Et donc, on va passer d'un RM serré à un RM moyennement serré. Et du coup, on s'est trompé sur l'évaluation de la surface mitrale en utilisant le PHT en cas d'association RM insuffisance aortique. Et donc, tout cela est bien montré donc, sur ces courbes, si vous voulez, qui montrent la bonne corrélation entre la surface mitrale obtenue par la planimétrie et le PHT en l'absence de fuite aortique
Et cette corrélation devient moins bonne quand la fuite aortique est associée à un rétrécissement mitral. Pareil, pour l'insuffisance mitrale, il ne faut pas utiliser donc, ce PHT pour l'évaluation de la sévérité de la sténose mitrale par la surface mitrale. Et là aussi, donc en cas de fibrillation auriculaire, il ne faut pas utiliser ce PHT parce que vous allez avoir, si vous voulez, des valeurs complètement disparates et le résultat ne sera pas beau. Là, je vous montre les autres limites du PHT parce que je sais que c'est un paramètre qui est facile à obtenir et on a tendance tous à vouloir utiliser ce paramètre pour l'évaluation de la surface mitrale. Vous voyez que dans certains cas particuliers, vous avez une pente de décélération qui n'est pas complètement linéaire. Et quand vous n'avez pas une courbe linéaire, ben vous avez des difficultés de recueil. Est-ce qu'il faut utiliser cette première pente? Est-ce qu'il faut utiliser cette deuxième pente? Est-ce qu'il faut utiliser une pente passant par le pic de vélocité et, la partie la plus basse de la vélocité? On n'en sait rien. Là, vous avez une fibrillation auriculaire avec donc, des pentes qui sont disparates. Et là, quand on s'est amusé à calculer la surface mitrale par le PHT et par la surface, vous voyez bien qu'il existe des disparités, si vous voulez, une absence de concordance entre les données dérivées du PHT et les données dérivées de la planimétrie. Et puis enfin, comme le cas de cette patiente, quand vous avez donc un rétrécissement mitral associé à une fuite aortique, vous avez souvent une superposition des courbes de Doppler continue, celle du rétrécissement mitral et celle de la fuite aortique, rendant inexploitable cette enveloppe spectrale à la fois pour l'évaluation de la PHT et du gradient transmitral moyen. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faille pas utiliser le PHT chez le polyvalvulaire lorsque le RM est associé à une valvulopathie mitrale ou aortique. Qu'en est-il maintenant de l'équation de continuité? Mais l'équation de continuité, elle aussi, elle se base sur l'existence, pour qu'elle puisse avoir une légitimité et pouvoir être utilisée, elle se base sur une adéquation entre le débit mitral et le débit aortique pour pouvoir calculer une surface mitrale. Or, on sait tous qu'en cas de fuite aortique, le débit aortique va devenir supérieur au débit mitral et du coup, l'adéquation n'existe plus et donc, c'est une, si vous voulez, méthode qui devient, si vous voulez, inutilisable lorsque le RM est associé à une fuite aortique au moins modérée. Donc là aussi, vous avez une mauvaise corrélation entre la surface mitrale obtenue en planimétrie et la surface mitrale obtenue par l'équation de continuité en présence de fuite aortique, puisque la surface mitrale va être surestimée donc par l'équation de continuité et donc on va sous-estimer l'importance de la sévérité de la sténose mitrale. Donc là aussi, il ne faut pas l'utiliser chez le polyvalvulaire, difficulté d'utilisation en cas de fibrillation auriculaire et surtout, elle peut être source d'erreur parce qu'il faut mesurer plusieurs paramètres, en l'occurrence le diamètre de la chambre de chasse de l'aorte, l'ITV mitrale et l'ITV sous-aortique. Donc jusque-là, c'est la surface mitrale par la planimétrie qui demeure au premier plan. Maintenant, quand la planimétrie est difficile à obtenir ou lorsqu'on veut se réconforter dans notre décision et qu'on veut être certain que le rétrécissement mitral est serré, est-ce qu'il peut y avoir une alternative à la planimétrie? Est-ce que la méthode de la PISA peut être une alternative donc, à la planimétrie pour le calcul de la surface mitrale, à l'instar de ce qu'on voit pour l'évaluation des surfaces des orifices régurgitants pour la fuite mitrale ou la fuite aortique? Est-ce qu'on peut avoir accès, cette fois-ci, non pas à une surface d'un orifice régurgitant, mais à la surface de l'orifice sténosé dans le cadre du rétrécissement mitral? Eh bien, je vais vous montrer que cela est possible, moyennant donc certains réglages. Donc là, vous activez votre Doppler couleur et vous allez obtenir, vous voyez ici donc le flux de rétrécissement mitral qui se voit comme
l'aspect en bec benzène avec un halo clair. Et donc, là, vous avez une mosaïque avec un halo clair qui entoure cette mosaïque. Et vous allez, en augmentant, en mettant la vitesse d'aliasing vers le haut, vous allez pouvoir mettre en évidence cette fameuse zone de convergence. Et l'on va mesurer de la même manière qu'une IM ou une IA le rayon de cette zone de convergence qui, dans le cas particulier du rétrécissement mitral, ne se trouve pas sur le versant ventriculaire gauche, mais se trouve sur le versant auriculaire gauche. Et donc, du début de la valve jusqu'au changement de couleur ici, en passant du bleu vers le orange. Alors, est-ce que cette mesure peut être faite chez le polyvalvulaire? Eh bien, il y a plusieurs travaux qui se sont intéressés à cela depuis le début des années 90 et qui ont largement démontré la bonne corrélation entre la surface obtenue en planimétrie et la surface obtenue par la PISA. Je vais vous donner les formules. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette PISA, donc l'évaluation de la surface mitrale par la PISA, reste valide, et ça c'est très important, en cas de fuite aortique associée ou de fuite mitrale associée, comme cela a été démontré par de nombreux travaux, et en l'occurrence par un travail de notre ami Ahmed Benis qui a été publié en 2002 et qui a montré qu'il existait une excellente corrélation entre la surface mitrale obtenue par l'étude de la zone de convergence et la planimétrie, qu'il y ait ou non une fuite mitrale ou une fuite aortique associée. Et là, donc, comment obtenir la surface mitrale de cette façon? Donc, il faut recueillir trois paramètres essentiels, ou plutôt quatre paramètres essentiels: le rayon de la zone de convergence, comme pour l'IM ou l'IA, la vitesse d'aliasing, la vitesse maximale du flux entérograde obtenu au Doppler continu. Et là, il faut faire une correction d'angle, qui est l'angle alpha, qui est l'écart intervalle vert. Vous avez la formule que vous pouvez intégrer au niveau de vos échographes, qui est 2 pi r carré multiplié par la vitesse d'aliasing sur la vitesse de l'onde E, et que l'on va multiplier par une correction d'angle, qui est l'angle alpha sur 180 qu'on doit mesurer au rapporteur. Alors, pour éviter donc l'écueil de la mesure de cet angle alpha, les travaux qui émanent de l'équipe Messica, Zetoun et collaborateurs qui ont montré vers la fin des années 2000 qu'il existait une excellente corrélation lorsque cet angle alpha était mesuré de façon empirique à 100 degrés. Et donc, du coup, on sursoit à la mesure de cet angle alpha et on prend alpha par défaut égal à 100 degrés, et d'excellentes corrélations ont été obtenues donc avec alpha, alpha équivalent à 100 degrés. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que dans le cadre du polyvalvulaire, la PISA, ou l'évaluation de la surface mitrale par la méthode de la PISA, est tout à fait réalisable, et que les corrélations sont excellentes avec qu'il existe ou non une fuite mitrale, une fuite aortique associée. Donc, on a essentiellement deux paramètres à utiliser, la planimétrie et l'étude de la zone de convergence. Le gradient, on en a dit un mot tout à l'heure, beaucoup de limites, il est très dépendant des flux, très dépendant de la fréquence cardiaque, très dépendant de l'existence d'une valvulopathie associée, en l'occurrence très dépendant de l'existence d'une fuite mitrale, donc à manipuler avec caution. Donc j'en arrive pratiquement à la fin de mon exposé. Sur ce tableau, vous avez tous les avantages que je vous ai décrits tout au long de l'exposé et les inconvénients, si vous voulez, de chacun des paramètres qui sont utiles ou utilisés jusqu'à présent dans l'évaluation de la sévérité de la sténose mitrale. Donc, en conclusion, la planimétrie demeure donc la meilleure option pour l'évaluation de la surface mitrale. Elle est indépendante des conditions de flux, mais elle requiert une expertise technique indéniable. La planimétrie par l'écho 3D peut être recommandée pour les patients, les opérateurs les moins expérimentés. La formule de Hattle, qui est réputée être très facile d'utilisation, doit être utilisée avec caution parce qu'elle a de nombreuses limites.
ainsi que l'équation de continuité. Je vous ai montré les différentes limites. La technique de PISA donne de bonnes corrélations avec la planimétrie et son avantage, bien que ce soit un petit peu difficile, voilà, qu'il faut s'entraîner et essayer de faire des PISA pour toutes les valvulopathies, qu'elles soient régurgitantes ou sténosantes, sauf pour le rétrécissement optique, on n'a aucune expérience pour l'évaluation de la surface aortique par la PISA. Donc, il faut essayer de s'entraîner et ne pas être découragé par la mesure de l'angle, parce que de toute façon, l'angle, vous allez prendre 100 degrés de façon empirique et c'est celui qui est utilisé par la majorité des laboratoires d'échographie. Et donc, chez le polyvalvulaire, essayez donc de prendre des paramètres les moins charge dépendants pour pouvoir approcher au mieux la sévérité de la sténose mitrale. Donc, juste un petit mot. Donc, avant de finir mon propos, c'est pour l'évaluation morphologique donc de la valve mitrale. Il faut faire une évaluation minutieuse, soigneuse, voir le degré de souplesse des valves, les calcifications, si elles sont commissurales, si elles sont valvaires, paracommissurales, voir un petit peu l'état de l'appareil sous-valvulaire pour pouvoir trancher et répondre à la question qu'a posée M. Bilhaj en utilisant différents scores, le score de Wilkins, le score de Corbier. On pourrait en discuter pendant la discussion parce qu'on n'a pas le temps d'étoffer le sujet. Il mérite là aussi tout un topo et pouvoir soit confier le patient au chirurgien ou confier le patient pour une dilatation mitrale percutanée. Et je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Merci Aïcha pour ce brillant topo clair et précis et comme d'habitude très pédagogue, ma chère Aïcha, comme toujours, tu nous mets toujours les idées bien précises et claires, vraiment merci beaucoup. Et c'est vrai que pour évaluer le rétrécissement mitral en cas d'association avec d'autres valvulopathies, ça reste toujours très difficile et il faut justement, il y a des limites justement dans les autres mesures, dans l'équation de continuité, l'équation de Hald, et donc la mesure par la planimétrie qui n'est pas toujours aussi facile que ça. Quand il y a des déformations thoraciques, ça rend la mesure très difficile. Quand il existe des calcifications, chez des patients qui sont en surpoids, de toutes les façons, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'expérience, passer beaucoup de temps pour mesurer de façon précise. Mais tu nous as éclairci en cas d'insuffisance aortique, d'insuffisance mitrale, quelles sont vraiment les limites. Merci beaucoup, Aïcha, et je crois qu'on va laisser les questions à la fin de ce webinaire. Et maintenant, je vais passer donc la parole à mon amie Hasna Belrhiti, notre secrétaire générale de la Société marocaine de cardiologie, qui est vraiment toujours dans l'actualité et qui a toujours choisi des thèmes très intéressants. Et donc voilà, elle va nous parler donc de ce rétrécissement mitral au-delà des symptômes. Et c'est vrai qu'il y a des fois cette discordance entre la symptomatologie et l'apport échocardiographique. Et des fois, c'est vrai qu'il faut vraiment faire et refaire les examens, pousser l'interrogatoire, poser plein de questions, parce que le patient valvulaire, il va être limité dans ses activités. Donc, des fois, c'est vrai, c'est difficile de faire la part des choses. Et donc, Hasna va nous parler aujourd'hui, justement, de ce rétrécissement mitral au-delà des symptômes. Et je te passe la parole, Hasna. Je te remercie infiniment, Nadia, pour cette belle introduction. Je suis presque émue par tout ça, tout ce que j'ai entendu depuis le début, les belles paroles du docteur Fikri, l'hommage au professeur Haytham, les belles paroles, l'histoire du RM par le professeur Bilhaj avec des maîtres que malheureusement on n'a pas eu la chance de connaître. Et puis, passer après mon maître, le professeur Oued, à qui je dois beaucoup de choses, surtout dans ce domaine, me rend les choses un peu plus compliquées. Donc, au-delà des symptômes et au-delà de ce titre, on va dire un peu philosophique, cette présentation se veut plutôt interactive. Je demanderai votre participation pendant cette présentation. Voilà, donc je vais commencer par partager mon écran.
Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Oui. Voilà, donc je commence d'emblée par un cas clinique d'une patiente qui est jeune, qui a 46 ans, qui a déjà eu une dilatation mitrale en 1999. Donc cette patiente, je l'ai vue il y a quelques années. Elle avait été dilatée en 1999, elle est asymptomatique, elle prend un traitement bêta-bloquant, elle prenait de la Vlocardil et quand je la vois, elle était en rythme sinusal avec à l'électrocardiogramme une petite hypertrophie auriculaire gauche. Et donc, on a donc programmé son échocardiographie de suivi quasi annuel pour évaluer l'évolution de cette valvulopathie et voir qu'est-ce qu'elle devient après tant d'années, après sa dilatation mitrale. Et donc voilà l'échocardiographie de cette patiente. Je n'ai pas les qualités d'image du professeur Ouad, mais bon, j'espère qu'elle sera indulgente vis-à-vis de moi par rapport à ces images. Donc voilà, donc on est devant quand même, on voit quand même qu'il y a un degré de rétrécissement mitral chez cette patiente. Elle a des valves épaissies, fibreuses, il n'y a pas de calcification, on a un aspect en genou de la grande valve mitrale. On a une oreillette gauche qui semble dilatée. Et on a un appareil sous-valvulaire qui ne sont pas si remaniés que ça sur les incidences de cavités, quatre cavités. Donc on voit une fusion bicomissurale en petit axe. Voilà, donc en couleur, on voit quand même que ce rétrécissement mitral reste presque pur, isolé, puisqu'il y a une flammèche d'insuffisance mitrale. Il y a à peine une insuffisance aortique très minime et pas d'insuffisance tricuspidienne majeure. Donc, on est devant un rétrécissement mitral isolé, fibreux, tel que, qu'on aime les avoir en échographie puisqu'ils sont faciles à quantifier. Donc là, pas de problème de quantification, donc je fais une planimétrie. Désolée, je n'ai pas fait le zoom, je m'excuse, j'ai suivi le topo et je me disais que je vais me faire tirer les oreilles pour ça. Donc une surface à 1,2 cm², ce qui a été quand même aussi... donc conforté par la PHT donc qui a retrouvé la même surface. Donc ici on n'avait pas de contre-indication à l'utilisation du temps de demi-pression puisque la patiente est en rythme sinusal, on est devant un RM pur, la pente est bonne et on a un gradient moyen à 10 mm de mercure et une surface de l'oreillette gauche à 24 cm². Donc, on a une unité qui est minime avec une pression pulmonaire qui a été estimée au repos à 36 mm de mercure, une fonction ventriculaire droite longitudinale qui semble conservée chez cette patiente. Après l'évaluation de la sévérité et du retentissement du rétrécissement mitral, il faut, comme l'a dit le professeur Oued, évaluer la morphologie de la valve mitrale avec toutes les implications thérapeutiques que cela comporte dans le choix et la décision thérapeutique chez les patients. Et donc, plusieurs scores disponibles, le score de Wilkins que je décline sur le tableau du haut ou le score de Cormier. Donc, cette patiente avait, selon les scores de Wilkins et Cormier, une anatomie plutôt favorable pour une dilatation mitrale percutanée. Et là, je vais vous poser la première question. J'espère que vous allez tous participer parce que c'est un cas finalement qu'on va discuter ensemble. Qu'est-ce que vous décidez de faire pour cette patiente puisqu'elle est asymptomatique et malgré cette sténose mitrale qui semble serrée, cette patiente ne demande rien à personne. Est-ce qu'on va continuer de la surveiller et de pratiquer des échocardiographies régulièrement, peut-être un peu plus rapprochées? Est-ce qu'on va, puisque cette sténose paraît dilatable, est-ce qu'on va l'adresser plutôt vers une dilatation mitrale percutanée? Est-ce qu'on va demander d'autres examens, en l'occurrence une échographie d'effort ou une ETO? Donc, j'attends vos votes. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on a assez de réponses qui sont arrivées? 40%. 40%, d'accord. Bon, je pense qu'on peut déjà voir les réponses, si vous êtes d'accord. Donc on a quand même 25%, le quart qui serait pour continuer à la surveiller. Donc une réponse très très partagée finalement. Donc le quart qui serait pour la surveiller, un peu moins qui irait vers une dilatation mitrale percutanée d'emblée.
Une moitié, on va dire, qui irait vers une échographie d'effort, et je suis contente de ce choix. Et puis, une partie des personnes qui décideraient de faire une ETO. En tout cas, on ne pourra concevoir éventuellement une dilatation mitrale que si on fait une ETO. Donc, j'ai mon choix personnel, c'était d'adresser cette patiente et de réaliser chez elle un test d'effort. Je vais vous expliquer pourquoi. Et plus tard, une ETO. Donc, pourquoi le test d'effort? Parce que les indications sont là. Hein. C'est une indication de classe A. À chaque fois qu'il y a une discordance entre les symptômes et la sévérité d'une sténose mitrale, le test d'effort est indiqué. Soit qu'il s'agisse d'une sténose mitrale qui finalement semble serrée, mais qui est asymptomatique, et le but ici de l'examen, c'est de détecter quels sont les patients qui sont réellement asymptomatiques, des patients faussement asymptomatiques, et de détecter aussi les patients à haut risque, on va dire, d'évolution défavorable. Et puis, chez les patients aussi, un pourcentage de personnes qu'on voit peut-être moins, mais qui existent, des personnes qui sont symptomatiques, qui disent ressentir une dyspnée, être essoufflée, mais chez qui finalement à l'écho on tombe sur une sténose qui semble plutôt modérée avec une surface qui est supérieure à 1,5 cm², un gradient moyen qui est inférieur à 10 mm de mercure, et chez qui en fait on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut faire quelque chose pour eux? Est-ce que ces symptômes sont réellement en rapport avec la sténose mitrale, ou est-ce qu'il y a des comorbidités ou d'autres choses, d'autres pathologies qui peuvent expliquer cet essoufflement? Et donc, les tests d'effort peuvent nous aider pour faire la part des choses. Et ça, c'est dans les guidelines. C'est une classe 1, aussi bien européenne qu'américaine, les tests d'effort est indiqué chaque fois qu'il y a une discordance entre les données de l'échocardiographie de repos et les symptômes dans le rétrécissement mitral. Et dans les deux guidelines, on nous dit d'évaluer le gradient moyen et les pressions pulmonaires au cours de l'examen. Donc, pour une fois, les Américains et les Européens sont d'accord, il faut faire un test d'effort chez ces patients à chaque fois qu'on a une discordance. Comment je fais ce test d'effort? Alors, deuxième question, je demanderai votre participation. Est-ce que vous pensez que le test d'effort devrait être limité par la fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'on vise la FMT, la fréquence maximale théorique, 220 moins l'âge? Est-ce que vous pensez que si l'effort n'est pas faisable, est-ce qu'on peut le remplacer par une dobutamine? Est-ce que vous pensez qu'il est obligatoire d'arrêter les traitements antiarythmiques chez tous les patients? Est-ce que vous pensez que toutes les propositions que je viens de donner sont fausses? C'est des questions à réponse, plusieurs réponses possibles. Est-ce qu'on a des réponses qui commencent à apparaître? On est à 25% de taux de participation. Parce que la question est plus difficile peut-être. On peut déjà, je pense, voir déjà ce qui se profile derrière ces réponses. Alors, est-ce que l'écho d'effort doit être limité par la fréquence cardiaque? Et 40% des personnes pensent que elle doit être limitée par la fréquence cardiaque. 50% pensent qu'on peut faire une dobutamine. 28% pensent que l'interruption du traitement antiarythmique est interdite que l'interruption est obligatoire, pardon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le test sous antiarythmique, et 31% pensent que tout est faux. Donc, encore des réponses très partagées. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous beaucoup de choses à partager justement et à apprendre de l'écho d'effort dans le rétrécissement mitral. Donc, concernant le protocole, alors l'échocardiographie d'effort chez le valvulaire n'est pas limitée par la fréquence cardiaque comme on le fait en test d'ischémie. C'est plutôt symptômes limités par les symptômes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'arriver à 85% ou 100% de la FMT, mais on va aller jusqu'à la limite des symptômes des patients. Et les protocoles sont
avec des paliers de 25 à 30 watts, selon qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, toutes les 3 minutes. On fait des acquisitions à l'état basal et on est censé faire des prises de gradient et de pression à la fin de chaque palier. Donc, ce n'est pas comme en début où on fait faible dose maximum, enfin en ischémie, faible charge au maximum et en récupération. Là, c'est à la fin de chaque palier, on doit prendre les gradients et les pressions pulmonaires. Et si jamais le patient, à la fin, on sent qu'il s'essouffle et qu'il ne peut pas, qu'il va s'arrêter, eh ben, on peut parfois revenir au palier précédent et pour essayer de prendre les images au pic avant qu'il arrête l'examen pour pouvoir effectivement recueillir les pressions, les gradients maximum et les pressions pulmonaires maximales. Alors, les traitements antiarythmiques chez les patients qui ont des troubles du rythme, des patients qui font de la FA paroxystique, et ça peut se voir dans le rétrécissement mitral, justement, on n'est pas obligé de les arrêter. On peut faire les examens sous traitement antiarythmique si les patients sont très symptomatiques lorsqu'on arrête leur traitement. La dobutamine, ça reste une alternative, et il y a eu plusieurs travaux dans le rétrécissement mitral. Donc, si l'exercice est impossible, donc il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui ont des problèmes de genoux ou d'autres choses, qui ne peuvent pas faire l'effort, avec des résultats, donc ça a été comparé à l'effort et avec des résultats similaires. Et le protocole est décliné ici, avec donc des paliers de 5 minutes, 5, 10, 20, 30 gamma, puis 40 gamma et l'atropine à la fin. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait en dobu pour l'ischémie. Bien sûr, les inconvénients, c'est que c'est moins physiologique. C'est qu'on ne va pas apprécier la tolérance à l'effort, qui est un élément quand même important à évaluer chez les patients. Et puis, il y a plus de risques d'arythmie sous dobutamine. Alors, maintenant qu'on a su comment faire cet examen, maintenant, comment dois-je interpréter les résultats de mon test d'effort? Alors, d'abord, on doit évaluer la tolérance à l'effort et la capacité à l'effort. D'abord, la raison pour laquelle l'examen a été interrompu. Est-ce que c'est pour une dyspnée, c'est un essoufflement, c'est-à-dire que le patient a du mal à respirer, cette dyspnée est anormale, et plutôt intense, elle persiste à la récupération, ou est-ce que c'est pour autre chose, une fatigue des membres inférieurs ou un épuisement? Il faut aussi noter le niveau de l'effort, la charge maximale qu'a atteint le patient pendant l'examen. Et c'est important d'avoir cette charge maximale parce qu'on peut d'emblée savoir, par exemple, si quelqu'un qui est jeune, qui n'arrive pas à faire 50 watts, cette charge maximale, même si on arrive à 100%, on va dire, de la fréquence cardiaque, théorique, même si on ne vise pas cette fréquence, mais si on arrive au maximum, si cette charge est de 50 watts, c'est que cette personne est forcément au-dessous de ses capacités et largement déconditionnée. Donc, il faudra essayer de comprendre pourquoi, justement, elle est déconditionnée à ce point. Et souvent, c'est des patients qui sont des faux asymptomatiques. Et il faut comparer cet examen avec des examens antérieurs si on a eu la chance de faire des examens auparavant et voir justement comment évolue la capacité à l'effort. Il faudra évaluer bien sûr la réponse tensionnelle à l'effort et l'électrocardiogramme pour évaluer la fréquence cardiaque et rechercher une éventuelle arythmie. Après, donc comment j'interprète le gradient transmitral moyen? Alors, pour vous, quelle est la valeur, le cut-off à retenir au pic de l'effort comme pathologique? Est-ce que c'est 15 mm de mercure? Est-ce que c'est 18 mm de mercure? Est-ce que vous pensez que le gradient transmitral n'est pas à prendre en considération dans la décision? Est-ce que vous pensez que le gradient transmitral a une valeur pronostique? Et est-ce qu'il est corrélé avec les symptômes? On attend les quelques votes. Là aussi, c'est une question à réponse multiple. Dès qu'on atteint les 25%, on peut, je pense, donner... Alors, bon, 50% donc, mettent le cut-off à 15%. Donc, une majorité, et la valeur pronostique, 61%, et à peu près 50% qui pensent que c'est corrélé
aux symptômes. Donc, en effet, il y a majorité de personnes qui ont répondu, qui ont eu une bonne réponse, et on va voir pourquoi. Alors, le cut-off, il a été fixé par les... Alors, d'abord, je voudrais expliquer, le gradient transmitral, de quoi il dépend. Il dépend de la surface valvulaire mitrale et de la résistance de la compliance de la valve mitrale. Il dépend de la compliance auriculo-ventriculaire, tout en sachant que chez des patients jeunes qui n'ont pas d'autres pathologies, qui ne sont pas hypertendus, qui n'ont pas d'autres pathologies, cette compliance atrio-ventriculaire, en tout cas, la pression du ventricule gauche est censée être normale. Donc, c'est plutôt de la compliance auriculaire et de la fréquence cardiaque et du flux transmitral. Donc, ce gradient, il a été fixé, en effet, depuis de longues années, dans les recommandations, à 15 mm de mercure au pic de l'effort, et ça a été repris dans les recommandations plus récentes. Pourquoi ? Alors, j'ai cherché à savoir pourquoi le 15 mm de mercure dans la littérature, et figurez-vous que, à ma grande surprise, je n'ai pas trouvé de publication qui parle de 15 mm de mercure. J'ai trouvé cette étude de Reis, ce travail de Reis sur 53 patients. Regardez, on a 5000, des séries de 5000, 10000 dilatations mitrales et on a des séries d'échos d'effort, d'échos d'obus avec 53 patients pour dire en international, pour dire que nous, on peut faire des choses extraordinaires et qu'il faut qu'on fasse des travaux dans ce sens. Donc, c'est 53 patients qui avaient une sténose sévère, asymptomatique, qui ont été testés en obus et qui ont été suivis pendant 5 ans. Alors, la moitié ont fait des événements cardiovasculaires et l'élément discriminant sur le pronostic, c'était le gradient moyen. Donc, un, le gradient moyen, il a effectivement une valeur pronostique et ceux qui ont répondu 18 mm de mercure n'ont pas tort parce que ce travail, il a dit 18 mm de mercure et pas 15 mm de mercure, mais ce qui figure dans les recommandations, c'est 15 mm de mercure et avec une sensibilité et une spécificité de 90%. Donc, j'ai cherché, il y a aussi le travail de Brochet, encore sur une cinquantaine de patients qui ont été testés à l'effort. Et regardez, 22 patients asymptomatiques ont présenté des symptômes. C'est dire que faire un test d'effort, c'est démasquer à peu près 50% de patients qui sont faussement asymptomatiques. Donc, cet examen est loin d'être inutile, est loin d'être un examen qui est à reléguer en deuxième lieu. C'est un examen indispensable chez les patients asymptomatiques puisque 50% vont être reclassés en patients symptomatiques et donc auront besoin d'une prise en charge. Donc, et dans ce travail, ils ont montré que le gradient moyen était corrélé avec la survenue de symptômes à l'effort. Et donc, plus le gradient était élevé, plus les patients avaient de chances d'être symptomatiques. Donc, le gradient moyen est corrélé au pronostic, il est corrélé aux symptômes et le cut-off, il est entre 15 et 18. Alors, pour essayer d'expliquer ce cut-off à 15, je me suis penchée sur les cours de physiologie et en sachant que le gradient transvalvulaire, ce n'est autre que la différence de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, que la pression de l'oreillette gauche peut être assimilée à la pression capillaire pulmonaire, et qu'un gradient qui serait supérieur à 15 signifierait qu'une pression capillaire serait supérieure à 25. Et on sait que dans le capillaire pulmonaire, si la pression hydrostatique dépasse les 25 mm de mercure, elle sera supérieure à la pression oncotique avec un risque d'œdème pulmonaire. Donc peut-être c'est pour cela que les auteurs ont choisi ce gradient à 15 mm de mercure. Mais en tout cas, on le garde tel que, puisque c'est comme ça qu'il figure dans les recommandations. Maintenant, la PAPS. Alors, est-ce qu'on doit prendre en considération la PAPS dans notre décision au pic de l'effort? Est-ce que vous pensez qu'une PAPS au pic plus de 60 mm de mercure est pathologique? Est-ce que vous pensez que la PAPS à l'effort a une valeur pronostique? Est-ce qu'elle est corrélée aux symptômes? Ou est-ce que vous pensez que c'est tout ce que je viens de dire, enfin, toutes les propositions sont fausses? Bah, dommage, les animateurs ne peuvent pas voter, c'est mentionné. Hein. Mais je vois que Aïcha Aoued et Nadia et Nesma brûlent d'envie d'écrire quelque chose. Donc, on attend les réponses. Très bien. Donc, c'est des réponses très, 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 très intéressantes. Donc,
Le tiers pense que non, qu'on ne devrait pas le prendre en considération, mais plus de 86% pensent qu'une PAPS au pic de l'effort de plus de 60 mm de mercure est pathologique, ce qui n'est pas faux, mais je vais vous démontrer que ce n'est pas totalement juste. Et la PAPS, l'élévation a une valeur pronostique, on verra. Et puis, est-ce qu'elle est corrélée aux symptômes? Là aussi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, moi, en tout cas, dans la littérature, qui est maigre. Alors, la PAPS. La PAPS, à la différence du gradient transmitral, dépend de plus de choses. Elle dépend des mêmes paramètres, c'est-à-dire la surface, la compliance valvaire. Elle dépend de la compliance auriculo-ventriculaire. Donc, on a les mêmes paramètres que le gradient, mais pas que. Pas que parce qu'il y a la fonction ventriculaire droite qui entre en jeu et la résistance des artères pulmonaires. Et donc, c'est un paramètre qui est plutôt qui dépend de beaucoup plus de facteurs que le gradient transmitral, et donc son interprétation probablement sera plus difficile et doit être soumise à caution. Alors, les recommandations initiales avaient placé le cutoff à 60 mm de mercure, ça date de 14 ans, et puis, avec le temps, moi j'ai cherché pour comprendre pourquoi ils ont placé le cutoff à 60. Déjà, est-ce que ça a une valeur pronostique? Alors, la valeur pronostique de la PAPS à l'effort, elle a été démontrée dans la sténose aortique, elle a été démontrée dans l'insuffisance mitrale, mais il n'y a aucune publication sur la valeur pronostique de la PAPS dans le RM. Je ne dis pas qu'il n'a pas de valeur pronostique, mais je dis qu'elle n'a pas été étudiée. Alors, peut-être par effet de donc, il y a on pourrait dire que ça pourrait être un facteur pronostique comme dans les autres valvulopathies, mais en tout cas, on ne sait pas. Deuxièmement, il y a ce travail de Mahjoub qui, en 2009, avec l'équipe de Tribouillois, qui avait fait des tests d'effort à des patients en bonne santé qui n'ont pas de rétrécissement mitral, qui ont des âges entre 20 et 80 ans, et ils ont vu qu'au pic de l'effort, il y en avait une bonne proportion qui arrivait à 60-70 mm de mercure, tout en étant totalement asymptomatique et en bonne santé. Mais donc cette PAPS au pic de l'effort était d'autant plus élevée que les personnes étaient âgées, mais ce n'était pas rare qu'à entre 40 et 50 ans, 60 ans, d'avoir des pressions pulmonaires au-dessus de 50, voire 60 mm de mercure. Mais ce qui est particulier dans ce travail, c'est que la PAPS aux faibles charges, au début de l'effort, moins à 25-50 watts, elle ne dépasse jamais, 50 mm de mercure. Et ça, c'est important à retenir. Pourquoi? Parce que là encore, un autre travail qui a montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre la PAPS au pic de l'effort et les symptômes, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre. Mais par contre, un élément important, c'est qu'il y a, un paramètre qui est la PAPS relative, l'augmentation relative de la PAPS, et qui reflète en fait la progression de la PAPS au début de l'effort, qui montre que plus la progression est rapide de la pression pulmonaire, plus il y a de corrélation avec les symptômes chez ces patients. Et donc, chez des patients finalement qui sont sains, on s'attendrait à avoir une courbe d'élévation de PAPS de ce type pendant l'effort, alors que dans le rétrécissement mitral et chez les patients qui sont pathologiques, on aurait cette augmentation d'abord brutale de la PAPS au début de l'effort, voire à 50 watts, puis après une augmentation plus lente, de telle sorte qu'au pic, les deux patients auraient une même pression artérielle pulmonaire systolique, mais une forme de courbe totalement différente entre les sujets sains et les sujets qui ont un rétrécissement mitral et qui ont un profil pathologique de rétrécissement mitral, puisque ce plateau serait expliqué par peut-être une altération de la fonction ventriculaire droite au pic pour des fortes charges. Et donc, Julien Magne avait proposé que plutôt que de prendre le pic de l'effort, mais il faut s'acharner à étudier plutôt la courbe et la variation de la pression pulmonaire au cours des premiers stades de l'exercice. Et le fait d'avoir un plateau, c'est un élément aussi en faveur pathologique, en faveur d'une atteinte dysfonction ventriculaire droite à l'effort. Et ce n'est pas du tout rassurant d'avoir ce plateau vers la fin de l'effort.
Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on doit prendre en considération la PAPS? Oui, il faut la prendre en considération, mais le pic de 60 n'est pas si discriminant qu'il faut peut-être étudier plutôt la PAPS au début de l'effort, et que je ne dis pas qu'elle n'a pas de valeur pronostique, mais que cela n'a pas été étudié, et que c'est plutôt c'est pas la PAPS au pic qui est corrélée aux symptômes, mais c'est plutôt la variation, la progression de la PAPS, c'est la PAPS relative, la progression qui a été démontrée dans le travail de Brochet comme étant corrélée aux symptômes. Alors après tout ça, comment je dois utiliser ces résultats pour prendre en charge mes patients? Donc on est devant les deux situations problématiques du début. Donc un patient symptomatique qui a une sténose modérée, et que nous disent les recommandations? Les recommandations américaines recommandent chez ces patients, éventuellement, s'ils ont des critères d'augmentation du gradient à plus de 25 mm de mercure, à plus de 15 mm de mercure durant l'exercice, de proposer une dilatation mitrale percutanée. Donc, c'est une indication de classe 2B. Alors l'hypertension artérielle pulmonaire, comme vous avez vu ici, elle a perdu sa valeur puisqu'elle n'est plus prise en considération pour la décision thérapeutique, mais plutôt pour plus considérer les symptômes des patients. Les Européens, ils disent que à partir d'une surface supérieure à 1,5 cm², on ne dilate pas le rétrécissement mitral. Alors, qu'en est-il de notre patiente qui a un rétrécissement asymptomatique et qui est sévère? Alors, que disent les Américains? Alors, les Américains, ils disent, si on est devant une sténose très sévère, c'est-à-dire avec une surface inférieure à 1 cm², et qu'elle est favorable à la dilatation mitrale, ils proposent d'aller d'emblée, c'est une classe 2A, niveau de preuve C, vers une dilatation mitrale. Ils ne proposent pas de faire un test d'effort d'emblée vers une dilatation mitrale. Par contre, si la surface est inférieure à 1,5 comme notre patiente, si elle est asymptomatique et qu'elle a une anatomie favorable à la dilatation mitrale, c'est une classe 2B. Les Européens disent qu'il faut pratiquer un test d'effort, ils ne disent pas lequel, et ils ne parlent ni de gradient ni de pression pulmonaire, mais des symptômes. Donc, ils disent que si la patiente est symptomatique ou le patient est symptomatique à l'effort, et si il n'y a pas de contre-indication à une dilatation mitrale, on le propose à une dilatation mitrale. Et sinon, donc on peut discuter la chirurgie. Alors donc chez notre patiente, on lui a fait faire puisque vous me l'avez recommandé à plus de 50% en test d'effort, j'ai suivi vos recommandations. Elle a été essoufflée à 60 watts. Elle est arrivée. Alors on avait enlevé le bêta-bloquant, parce que bon, elle n'avait pas besoin de l'antiarythmique, donc elle est arrivée à 165 de fréquence, et donc dès 40 watts, elle a fait un gradient moyen à 24 mm de mercure, une PAPS qui est arrivée à 70 mm de mercure, et au pic à 60 watts, on avait un gradient moyen à plus de 40 mm de mercure. Donc au vu de ces résultats, je vous pose la question, encore une fois, comment vous prenez en charge finalement cette patiente? Est-ce que vous la suivez avec des échographies régulières? Est-ce que vous avez changé votre avis en indiquant une dilatation mitrale pour ceux qui avaient décidé de la surveiller? Bon, l'écho de stress, l'histoire est réglée. Et le TO aussi, bon, si on décide pour une dilatation mitrale, bien sûr, ça va de soi. Donc, répondez plutôt entre 1 et 2. Est-ce que vous continuez à la suivre médicalement malgré les résultats de son écho d'effort, ou est-ce que vous penchez pour une dilatation mitrale percutanée? Voilà. Alors, voilà, je suis contente. J'ai réussi à convaincre, au début je crois que j'en étais à 45% des cas, bon maintenant j'ai réussi à convaincre presque 90% des personnes pour faire cette dilatation mitrale chez ma patiente. J'ai suivi vos recommandations, elle a eu sa dilatation mitrale, elle va très très bien, elle a été faite pour la deuxième fois par Madame Leitzem, qui avait dilaté la première fois, et donc elle a resténosé après une vingtaine d'années, et la deuxième fois, elle est repartie chez Madame Leitzem, elle avait été dilatée, je pense, en 2016, et elle va très très bien. Voilà, donc pour finir,
L'écho d'effort ou l'écho d'obus, c'est un élément important pour évaluer les sténoses mitrales ou dans les discordances entre la sévérité et les symptômes. À chaque fois qu'on a un doute, le test d'effort est là pour nous apporter de l'aide. Il faut l'interpréter dans son contexte avec évaluer la capacité fonctionnelle, évaluer les symptômes à l'effort, le gradient transmitral moyen et la pression pulmonaire plutôt au faible au début de l'effort. Et puis là encore, c'est à nous que reviendrait la lourde charge de faire des études parce qu'on a beaucoup de RM, ce qui se fait rare ailleurs. Et donc, il faudrait qu'on fasse plutôt des études encore multicentriques pour démontrer la valeur pronostique du test d'effort et pour avoir une meilleure place finalement pour cet examen dans les guidelines. Et je remercie toute l'assistance qui nous a suivis malgré le déconfinement. Et voilà, regardez ce que j'ai retrouvé dans la littérature, ce qui est maigre dans la littérature de l'écho d'effort dans le rétrécissement mitral et pour encourager les personnes à faire des travaux dans ce sens. Voilà. Merci Hasna pour ce brillant exposé. Très, très passionnant. Vraiment, moi, ça m'a donné envie de faire beaucoup d'écho d'effort chez mes patients. Et c'est vrai que j'en ai pas mal comme ça, de formes de patients qui sont asymptomatiques ou des fois... Et je me rappelle les soirées, je vais dire, que je passais avec Madame Lehitem dans une petite salle toute sombre où on faisait nos échos d'effort et on se posait des questions et on se disait oui, il faut dilater ou pas ou passer à autre chose. Et franchement, ça demande beaucoup de réflexion et c'est vrai que l'écho d'effort va nous permettre, c'est vrai, d'évaluer chez ces patients-là où c'est pas toujours évident de poser l'indication. Et je me rappelle à chaque fois que Madame Lehitem me disait, quand on avait le patient sur la table pour le dilater, elle me disait c'est pas aussi facile que ça. C'est pas l'essentiel, c'est de mettre le patient sur la table et de poser l'indication de faire cette dilatation, mais de poser le diagnostic. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Et de réfléchir à cette valve, comment elle est sa morphologie, est-ce qu'elle est hétérogène, comment elle est l'appareil sous allure. Madame Lissem, elle a plus presque envie de caresser cette valve et de la sentir. Et c'est extraordinaire, c'est de ça, ça me fait revivre beaucoup de souvenirs. Et franchement, bravo Asna, très, très, très passionnant. Et on va poser les questions à la fin. Et je crois que je vais passer la parole à mon amie Nesma, et qui va nous parler de cette belle série de dilatation mitrale où les cas étaient vraiment très poussés et les limites, il n'y avait pas de limites pour faire ce genre de patients. Je te donne la parole, Nesma. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de participer à cette session autour de la valve mitrale. Et on m'a demandé de parler des limites des indications de la dilatation mitrale. J'ai choisi moi-même ce titre un petit peu provocateur pour montrer à quel point on est parti loin et à quel point on a repoussé les limites des indications de la dilatation. La dilatation mitrale a aujourd'hui largement remplacé la commissurotomie chirurgicale, voire le remplacement valvulaire mitral dans de nombreuses situations. C'est une technique efficace avec un faible taux de complications. Et vous voudriez peut-être partager votre présentation. Avec un faible taux de complications. Vous ne voyez pas mes diapositives? Non, pas encore. Il faut partager l'écran. OK. Excusez-moi. Essayez d'ouvrir la porte. Bon. Très... Vous Parfait. Les avez là? Très, très bien. Okay. Vous passez en mode diaporama, comme ça on le voit en okay. plein écran. Super. Parfait. Donc, c'est une technique efficace avec un faible taux de complications. La large expertise nous a permis de pousser les indications encore plus loin à des situations cliniques et anatomiques complexes. La série de Madame Hitton et de son équipe qui compte aujourd'hui plus de 5000 patients dilatés, ne comprend qu'un tiers d'indications idéales, c'est-à-dire avec un score de Wilkins
inférieur ou égal à 8, et nous y reviendrons plus tard. Donc, tout de suite, pour éliminer les contre-indications absolues à la dilatation mitrale, d'abord, une fuite mitrale importante strictement au-delà d'un grade 2, ou encore une thrombose massive de l'oreillette gauche ou un thrombus flottant dans l'oreillette gauche, comme on le voit sur cette belle image. Les patients avec anatomie valvaire favorable, c'est-à-dire avec un score de Wilkins de moins de 8, ne constituent qu'un tiers de nos patients. Et c'est chez ces patients-là, les résultats immédiats sont excellents, avec une surface qui augmente de près de 100%. Et ces résultats sont maintenus à long terme, sur plus de 10 ans, dans notre série comme dans de nombreuses séries de la littérature. La plupart de nos patients, les deux tiers, se situent dans cette zone grise, avec un score de Wilkins compris entre 8 et 12, et des résultats immédiats souvent satisfaisants. Leur maintien à long terme, par contre, ici, dépendra, bien entendu, de l'anatomie valvaire et de l'appareil sous-valvaire, de l'âge du patient et de sa symptomatologie, mais surtout des résultats immédiats, à savoir la surface mitrale après dilatation et la présence ou non d'une ouverture commissurale. Tout de suite, pour vous mettre dans le vif du sujet, je vais vous présenter notre cas clinique. Donc, c'est une patiente qui illustre un petit peu toutes les complications, toutes les difficultés que l'on rencontre quotidiennement. Patiente de 39 ans, mère de 3 enfants, qui avait déjà été dilatée en 1996, qui a resténosé 13 ans plus tard. L'indication de remplacement valvulaire mitral avait été posée à ce moment-là et elle avait été refusée par la patiente qui a été perdue de vue. Elle est revenue 9 ans après, en poussée d'insuffisance cardiaque droite réfractaire au traitement médical, avec un TP bas et un bilan hépatique perturbé. Voici son échocardiographie. Donc, comme vous voyez, ce sont des valves mitrales très épaisses, une sténose mitrale sévère, surface mitrale à 0,9 cm², mais pas uniquement épaisse, avec des calcifications. Vous voyez ici sur la 4 cavités qu'on a des calcifications. C'est un score qui est entre 11 et 12 avec un appareil sous-valvaire rétracté, associé à une fuite mitrale modérée, un gradient mitral très élevé, une dilatation biauriculaire. Et ce n'est pas terminé. On a également associé à cette sténose mitrale sévère avec un score de Wilkins élevé, une maladie tricuspide avec une fuite tricuspide massive, une sténose tricuspide serrée associée et une veine cave inférieure à 40 mm. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous auriez proposé à cette patiente? Une chirurgie, remplacement valvulaire mitral et plastique tricuspide, commencez à voter. Ou encore, puisqu'on a repoussé les limites, pourquoi pas une dilatation mitrale? Ou encore, si on considère qu'elle est, qu'elle est à risque pour les deux premières propositions, un traitement médical seul, ou est-ce que vous avez une autre proposition? J'attends que vous votiez. On est à combien, s'il te plaît? On est à 46%. Très bien. On peut avoir les réponses? Donc, pour faire plaisir à M. Bilhaj, 70% des gens vont opérer cette patiente. Il y a quand même un quart des patients qui ont repoussé les limites avec moi et qui proposent une dilatation mitrale. Seulement 4% vont traiter médicalement cette patiente. Moi, je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite. On va attendre la fin du topo et un peu de suspense pour répondre à cette question. Donc, j'ai séparé les situations anatomiques complexes rencontrées des situations cliniques difficiles, en commençant par les patientes à valve calcifiée. Donc, c'est 10% de notre série. Et là, je voudrais m'arrêter pour dire que notre sténose mitrale calcifiée, c'est un RM rhumatismal vieilli qui diffère du RM dégénératif rencontré en Occident. Ce sont des valves qui, même si elles sont calcifiées, peuvent garder une certaine souplesse. Et alors que dans RM dégénératif européen, c'est souvent un magma calcaire avec l'anneau mitral qui est également calcifié. Et donc là, dans ces cas-là, la dilatation mitrale est rarement indiquée. Donc les classifications sont classées en 4 grades selon leur importance et leur localisation. Grade 1, un feuillet. Grade 2, les deux feuillets. Grade 3, une commissure intéressée. Et les calcifications grade 4, c'est les deux commissures qui sont intéressées par les calcifications. Dans ces cas-là, quand la dilatation est indiquée, il faut prendre de nombreuses précautions, utiliser un ballon de taille inférieure au diamètre optimal et dilater progressivement, step by step, 1 mm par mm, voire 0,5 mm par 0,5 mm, en contrôlant régulièrement par échocardiographie. Les résultats immédiats, il faut séparer deux groupes,
les groupes 1 et 2, les grades 1 et 2, c'est la majorité de nos patients où les résultats restent satisfaisants, et les calcifications grade 3 ou 4 dans lesquelles les résultats sont modestes, mais la dilatation mitrale garde un intérêt ici lorsque le risque chirurgical est élevé ou prohibitif. Donc voici un patient de 55 ans, stade 3 de la NYHA en EFA, qui avait refusé la chirurgie. Donc il avait une sténose mitrale très serrée, vous voyez, 0,7 cm², punctiforme, avec des calcifications grade 3. Donc on voit bien que la commissure postérieure est calcifiée. Donc il a eu une dilatation mitrale avec des résultats satisfaisants, une surface mitrale 1,8 cm², une ouverture commissurale antérieure qu'on voit sur cette image 3D, et un gradient moyen à 8. La deuxième population, c'est donc les patients avec RM et thrombus de l'auricule gauche fondue. Donc, c'est 3% des patients de la série. En rappelant que les facteurs prédictifs de thrombose d'auricule sont la fibrillation atriale et la dilatation de l'oreillette gauche, sans oublier que le rythme sinusal ne protège pas du thrombus. Ici, bien sûr, on éliminera, comme on a vu dans les contre-indications, la thrombose massive de l'oreillette gauche, les thrombus, les thrombies flottants, les thrombies attachées avec attache septale ou encore avec attache aux veines pulmonaires. Nous, ici, dans cette série, ce sont seulement les patients qui ont un thrombus localisé de l'auricule qu'on mettra sous antivitamine K et anti-agrégant plaquettaire pendant 2 à 3 mois, avec sur les 2 ou 3 premières semaines une association à une HBPM, et qu'on contrôlera ensuite après 2 ou 3 mois. Et en cas de dissolution partielle ou totale du thrombus, la dilatation mitrale est réalisée sans risque surajouté d'AVC. Bien sûr, là encore, des précautions. Il faut que le ballon passe directement de la transseptale vers la valve mitrale. Et le ballon doit rester dans le ventricule gauche entre les inflations pour éviter que le ballon ne se dirige vers l'auricule gauche pour ne pas décoller un thrombus. Donc, voici une patiente de 25 ans, encore célibataire, sinusale, au stade 3 de la NYHA. Vous voyez que c'est un score autour de 9, donc des valves qui sont très épaisses mais non calcifiées, avec la grande valve qui garde une certaine souplesse, une surface mitrale à 0,7 cm², un gradient moyen élevé et une hypertension pulmonaire sévère avec une pression pulmonaire estimée à 105 mm de mercure. Voici son échocardiographie transœsophagienne. Donc on voit bien qu'on a un contraste spontané dense dans l'oreiller de gauche et surtout un thrombus de 15 mm localisé, circonscrit au niveau de l'auricule. Cette patiente a été mise sous HBPM, AVK et anti-agrégant plaquettaire pendant 15 jours, puis les HBPM ont été arrêtés et le reste a été maintenu 2 mois. Ensuite, elle a eu, voilà le contrôle ETO après fonte du thrombus, une dilatation mitrale avec de bons résultats. Après avoir vu les situations anatomiques complexes, on arrive aux situations cliniques difficiles, qui comprennent cette fois les patients en situation hémodynamique sévère, c'est-à-dire les patients graves, et à côté un groupe de patients particulier, qui est la sténose mitrale chez la femme enceinte. Les patients en HTAP suprasystémique, qui est une la patiente que j'ai présentée qui avait le thrombus, était également en HTAP sévère, c'est à peu près 3% de nos patients. Ce sont souvent des patientes jeunes, comme celles qu'on a vues, avec des belles valves, des scores souvent moins de 8, mais des sténoses mitrales très serrées. Ici, les résultats sont bons parce que les valves sont belles, avec une pression pulmonaire qui peut chuter de moitié en 48 heures. Mais attention, ce sont des valves dangereuses. Nous avons eu 4 cas d'IM aigu chez ces patientes parce qu'elles sont très serrées. Donc là encore, choisir un diamètre du ballon sous-optimal, dilater progressivement, step by step, et là encore, viser un résultat sous-optimal. Donc voici une patiente de 28 ans qui était en sub-OAP, sinusale, avec une PAPS ici à 145 mm de mercure, une surface mitrale à 0,6 cm², un gradient moyen très élevé à 34 mm de mercure. Donc voici son ETT après dilatation. Donc une belle ouverture, là encore, avec une belle ouverture commissurale antérieure, une surface à 2 cm², un gradient qui a baissé à 4 et une pression pulmonaire qui a baissé des 2/3 en 48 heures. Voilà la belle ouverture commissurale antérieure en 3D. Le groupe de patients suivants, c'est les plus graves. C'est les patients qui arrivent en défaillance hémodynamique. C'est 37 patients de la série, dont 8 enfants, chez qui là, par contre, c'est la dilatation mitrale de sauvetage par excellence. C'est des patients qui arrivent soit en OAP réfractaire ou encore en état de choc cardiogénique. Là, c'est un double challenge parce qu'on a des difficultés techniques qui concernent à la fois la transseptale, c'est des patients qui sont
en assistance respiratoire ou alors en position semi-assise. Et donc, dans ce cas-là, la transeptale est plus difficile. Souvent, le point de transeptale est plus haut situé. C'est des RM punctiformes. Donc, la traversée de la valve également est difficile. Mais souvent, quand on arrive à ouvrir la valve, l'amélioration clinique est immédiate sur la table. Sans oublier que ça reste des patients graves, avec une mortalité hospitalière élevée, qui reste néanmoins très inférieure à celle de la chirurgie. Troisième groupe de patients graves, c'est les patients avec sténose mitrale et oreillette gauche ectasique. C'est 75 patients qui ont, dans 11 cas, plus de 100 mm de diamètre d'oreillette gauche. Souvent, c'est des patients qui sont en état général altéré, en bas débit. Parfois, on a des signes de compression des organes de voisinage. C'est des patients cachexiques, avec compression même œsophagienne. Là encore, la CMP est techniquement difficile, à la fois au moment de la transeptale et de la traversée de la valve. Et dans ces cas-là, le point transeptal, il est plus bas situé et il est latéralisé. Elle doit être bien située pour pouvoir traverser la valve. Et on peut utiliser ici la technique du loop. Donc, en fait, c'est le ballon qui fait une boucle dans l'oreillette gauche pour avoir plus d'appui et pouvoir traverser la valve mitrale. Il y a eu quand même 6 échecs, sans oublier que c'est des patients qui ont un risque opératoire élevé parce qu'ils ont une oreillette gauche qui comprime le ventricule gauche, qui est souvent un ventricule gauche peu préchargé. Donc, voici une patiente de 45 ans qui arrive en bas débit, en arythmie, avec encore une fois une sténose très serrée, une surface à 0,7 cm². On ne voit que l'oreillette gauche sur l'écran, donc 140 cm² de surface. Et là encore, un gradient bas puisqu'elle est en bas débit, donc 7 mm de mercure de gradient. Voici son échocardiographie après dilatation. Donc, on a une surface à 2 cm². Les commissures ne sont pas très ouvertes. Le gradient mitral est resté quasiment identique. On arrive à la dernière population de patientes qui sont les patientes avec sténose mitrale et qui sont enceintes. Donc, c'est 5% de notre série. Donc, ce sont des patientes qu'on va mettre sous bêta-bloquant et diurétique, donc à dose minimale efficace, en attente de la 24e semaine de grossesse. Elles sont souvent en OAP quand elles arrivent. 6 étaient en OAP irréductible et ont eu une dilatation mitrale en urgence. Les résultats immédiats sont bons, avec 97% de succès. Accouchement par voie basse dans la majorité des cas, sauf si indication obstétricale de césarienne. Et il faut réfléchir chez ces groupes de patientes à proposer une dilatation mitrale prophylactique chez les patientes désireuses de grossesse, même lorsque le RM n'est pas très serré, même quand on est autour de 1,5-1,6 cm², pour les préparer à tomber enceinte et avoir des grossesses menées à terme sans problème. Donc, voici une patiente de 25 ans qui avait un RM connu hyper serré, punctiforme, avec une surface mitrale à 0,4 cm², qui a été perdue de vue et qui a été admise à terme en bas débit, qui a bénéficié d'une dilatation mitrale avec une surface qui a triplé, donc 1,5 cm², un gradient qui est passé à 4 et elle a pu accoucher dans de bonnes conditions. Donc, après avoir présenté un petit peu les situations cliniques complexes et anatomiques difficiles qui ont fait qu'on a repoussé les limites des indications de la dilatation mitrale, on revient à notre patiente, 39 ans, déjà dilatée en 96, indication de remplacement valvulaire en 2009 refusée par la patiente qui revient 9 ans plus tard, en insuffisance cardiaque droite réfractaire, avec à l'échocardiographie une sténose mitrale serrée, un score de Wilkins élevé, une maladie tricuspide, des cavités droites dilatées avec un VD en dysfonction modérée. La plupart d'entre vous avaient proposé un remplacement valvulaire mitral et une plastie tricuspide. Donc maintenant, est-ce qu'on peut reposer la question à l'assistance pour savoir qu'est-ce que vous auriez proposé après mon exposé. Sachant que le risque chirurgical chez cette patiente est élevé. On peut avoir les réponses, s'il vous plaît ? Bon, alors on est à 60% de dilatation mitrale, j'ai bien travaillé. Bon, je vais vous dire ce qu'on a fait. Alors, après staff médico-chirurgical, en considérant que c'était une patiente à haut risque chirurgical, on a proposé une dilatation mitrale de sauvetage comme un bridge vers la chirurgie.
non pas pour remplacer la chirurgie, ce qui était loin d'être notre idée ici, vu que le score de Wilkins est élevé et qu'il y a l'association d'une maladie tricuspide sévère, mais comme vraiment pour qu'elle puisse être opérée dans de meilleures conditions. Elle a eu une dilatation mitrale en février 2018. C'était difficile, l'accès à la valve était difficile parce qu'elle était calcifiée, parce que l'orifice était punctiforme. Donc, je vous montre ici, donc vous voyez bien les calcifications de part et d'autre donc de la valve mitrale et le ballon qui va essayer de se placer au centre de cette valve. On voit bien que le ballon est libre dans le VG, c'est très important pour éviter d'accrocher un cordage. Ici encore, les inflations doivent être courtes parce que c'est une malade en bas débit. Donc, quand le ballon est gonflé, le sang ne passe plus. Et il faut bien entendu ici se satisfaire d'un résultat sous-optimal, le but étant de soulager cette patiente et de la préparer à une chirurgie ultérieure. La pression de l'oreille gauche a baissé de 30 à 20 mm de mercure et la pression de l'oreille droite de 18 à 11. Voici les résultats, on a pu baisser le gradient à 7. Le gradient tricuspide a également baissé à 4, de 12 à 4. En fait, on a levé la part fonctionnelle de la maladie tricuspide. L'IT est bien entendu restée importante. Et la patiente a pu être opérée 5 mois plus tard. Elle a bénéficié d'un remplacement valvulaire mitral et d'une plastie tricuspide avec des suites simples. Tout ça pour dire que dans la sténose mitrale, on dilate et qu'on navigue en permanence sur une zone grise dans la majorité de nos indications. On peut poser des indications de dilatation mitrale de la plupart des sténoses mitrales, mais dans des centres d'expertise. Que bien entendu, ces indications doivent être posées dans une heart team, incluant cardiologue, chirurgien cardiaque et anesthésiste réanimateur. Le but étant de préserver la valve mitrale native le plus longtemps possible, d'autant plus que nous sommes dans une population de jeunes, en particulier de femmes jeunes. Je vous remercie de votre attention. Merci Nesma, c'est pour cette série hyper intéressante, passionnante et qui suscite beaucoup de discussions. Et là, je voudrais passer la parole au professeur Belhaj parce que c'est des malades justement chez qui on a poussé l'indication de la dilatation mitrale, certes, parce que c'est des valves qui ne sont pas très vraiment pour faire, on va dire, l'indication est pour de la dilatation mitrale. Mais des fois, comme a dit Nesma, c'est une indication mitrale de sauvetage. Donc, est-ce que justement, si Belhaj, je voudrais avoir votre point de vue sur ce genre de patients chez qui on a fait une dilatation de sauvetage, justement, on voit bien qu'il y a une diminution de la composante fonctionnelle, par exemple sur l'insuffisance tricuspidienne. Et par la suite, quand vous reprenez ce genre de malade, j'aimerais bien, quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez eu affaire à ce genre de malade? Si Belhaj, je vous passe la parole. Merci, Madame Fikri. Je tiens encore à rappeler que vous êtes aussi une excellente dilatatrice et que on a eu des malades ensemble et que j'ai beaucoup apprécié les malades qu'on a fait ensemble, les résultats qu'on a eus. Quand j'entends parler Nesma, j'ai l'impression d'entendre la fougue, l'énergie et la force tranquille de Lella Naïma et ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que l'école de Madame Leighton, comment je l'appelle comme ça, a comme axiome de dire que tous les RN peuvent être dilatés. Je schématise. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Nous avons bien entendu des conditions sociales qui font et je pense que ça a été ça le début de la motivation de Madame Leighton pour aller dilater ces malades-là, même quand ils sortaient du cadre des scores établis et conseillés, etc., et que portés par les résultats de ça, elle a continué. Donc, voilà. Cette histoire de bridge vers la chirurgie me semble être une excellente chose. J'ai eu des malades comme ça, effectivement, et à condition d'être très modeste dans ses ambitions et d'éviter d'avoir une IM. Parce qu'une IM aiguë chez un malade qui est déjà déstabilisé, c'est la catastrophe. Il y a un autre bridge.
c'est le traitement médical. Par exemple, cette patiente que vous avez dilatée avec un excellent résultat, je le reconnais, on aurait pu la traiter quelques jours diurétique, peut-être un petit peu de Dobutrex, etc., et la préparer à une chirurgie, voilà, une chirurgie planifiée. Donc, cette notion de bridge, et en fait, la dilatation, c'est un bridge, qu'on le veuille ou pas, comme la commissurotomie à corps fermé, c'est un bridge de quelques jours ou c'est un bridge de quelques années. La majorité des malades qu'on voit maintenant pour chirurgie, c'est des malades qui ont eu déjà une dilatation, deux dilatations et parfois même trois dilatations. Donc, les malades finissent par être opérés, c'est clair. Mais c'est très, très bien d'avoir gagné autant d'années avec une valve naturelle et avec sans anticoagulant ou avec des impératifs d'anticoagulation moins rigoureux qu'avec qu'une prothèse. Et je pense, comme vous l'avez dit, le mieux, c'est des indications posées en ARTIM, tenant compte d'un ensemble de considérations, à la fois médicales, mais aussi sociales. Quelqu'un qui habite très loin, qui aura des mal à suivre des anticoagulants, ben, il est préférable de lui faire une dilatation, même avec un résultat suboptimal, que de lui mettre une valve et de lui imposer une anticoagulation à risque. Donc, voilà ce que j'ai à dire donc, sur cette situation. Nisma, tu voudrais parler peut-être? Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit professeur Bilhache sur cette patiente-là. Elle est restée hospitalisée 15 jours avec Dobu, l'Azilix injectable, l'Azilix spécial en continu. Et en fait, on n'arrivait pas. Son TP ne décollait pas de 20-25%. Et en fait, M. Mouril a tiré Mme Haitim vers la malade pour lui dire « S'il te plaît, fais quelque chose, dilate-la, aide-nous pour qu'on puisse l'opérer plus tard. » Donc, c'est vraiment, on était au pied du mur. Elle, vraiment, le TP ne décollait pas. On était à 20-25% de TP. C'est ça qui nous a embêté le plus. Voilà. Excellent. C'est sûr que c'est un travail d'équipe et c'est ça qui rend les choses justement très intéressantes, c'est de travailler entre le cathétériseur, le chirurgien et le réanimateur et le heart team. C'est ça le but justement de faire ce genre de malade. Je crois qu'on va passer un peu aux questions. Aïcha, c'est la première question est pour toi. C'est Madame Abdelali qui pose cette question. Donc, comme la planimétrie est le seul moyen de calculer la surface mitrale en cas d'un rétrécissement mitral en ACFA, combien il faut faire de mesures? Merci Madame Abdelali pour la question. Donc les malades en fibrillation auriculaire, c'est toujours un challenge pour l'évaluation de la sévérité, que ce soit la sténose mitrale, la fuite, le rétrécissement aortique. Donc c'est toujours un challenge pour la personne qui fait l'échographie. En général, on peut faire 4-5 mesures et en fait, on essaie de moyenner les surfaces mitrales pour trouver une valeur moyenne en évitant bien évidemment les valeurs extrêmes qui font que, qui vont, si vous voulez, modifier la moyenne des mesures. Donc, si par exemple, on trouve 1,2, 1,3, 1,1, etc., donc on va pouvoir moyenner. Si dans une mesure, on trouve 0,6, une mesure qui s'écarte de loin par rapport aux mesures moyennes qu'on trouve, on l'écarte de la moyenne et on essaie de refaire 3, 4, 5 mesures. Qui colle un petit peu et moyenner ces différentes mesures. Voilà, donc en général, c'est comme ça. Voilà. Merci Aïcha. Une autre question pour toi. Les paramètres fiables en cas de maladie mitrale? Alors, en cas de maladie mitrale, quand l'IM est minime, est très minime, punctiforme ou minime en bout de valve, ou quand on jure qu'elle n'est pas du tout significative, on parlera pas forcément de maladie mitrale, on va corréler cette entité à un RM quasiment pur, et donc on peut faire aussi bien de la planimétrie que de l'équation de continuité, que la PISA, que la formule de Hattel, à condition encore une fois que le patient ne soit pas en fibrillation auriculaire et qu'il ne soit pas très tachycarde parce que la tachycardie va interférer avec la pente de décélération
pour le calcul de du PHD. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'équation de continuité n'aura de valeur que, donc enfin, là maintenant on va parler de maladie mitrale, soit une maladie mitrale équilibrée, ou que lorsque la fuite mitrale est au moins grade 2. Dans ces cas-là, il existe une inadéquation, là aussi, entre les débits, pour pouvoir calculer la surface mitrale, entre le débit mitral et le débit aortique, et donc rendant l'équation de continuité tout à fait obsolète. Comme pour la fuite aortique, donc je n'ai pas montré les courbes hémodynamiques pour montrer que le PHT n'a pas une valeur pour la quantification de la sténose mitrale, mais je l'ai montré sur des courbes de corrélation que lorsqu'il existait une fuite mitrale au moins modérée, le PHT perdait sa valeur parce que là aussi, il va entraîner une surestimation de la surface mitrale et donc une sous-estimation du degré de sévérité de la sténose. Donc, ce qu'on peut utiliser en cas de maladie mitrale, un gold standard, la planimétrie de l'orifice mitral en 2D, voire en 3D lorsque le 2D n'est pas complètement explicite et qu'on a accès à une évaluation échographique en tridimensionnelle. Deux, il faut apprendre autant que faire se peut, à faire des évaluations de surface mitrale par l'étude de la zone de convergence en dégageant bien donc, la PISA au niveau de l'oreillette gauche et essayer de calculer donc, la surface mitrale par l'étude de la zone de convergence. Et on a bien montré que par différents travaux qui ont été publiés déjà au début des années 2000, que la PISA donnait une excellente évaluation du degré de sévérité de la sténose mitrale, qu'elle soit que le RM soit ou non accompagné d'une fuite mitrale. Donc, je conseillerais à toute personne d'évaluer un RM en cas de maladie mitrale équilibrée ou en cas de RM prédominant lorsque l'IM est supérieur ou égal à un grade 2, soit par une planimétrie, soit par une zone de convergence. D'accord. Alors, une autre question, je crois, enfin, pour tout le monde, là, enfin, qui veut répondre. Alors, la survenue d'une... c'est pour un rétrécissement mitral serré avec une oreillette gauche dilatée en rythme sinusal. Est-ce qu'il y a une indication des anticoagulants ? RM serré en rythme sinusal et oreillette gauche dilatée. On anticoagule ou pas? Hasna. Est-ce que moi qui veux répondre? Elle a levé le bras. Active ton micro. Non, je n'ai pas levé le bras, moi. C'est Nesma. Nesma qui a levé le doigt. C'est moi. Nesma, vas-y. Donc, étant donné le nombre d'accidents vasculaires qu'on trouve chez les patientes avec sténose mitrale serrée qui sont en rythme sinusal, moi, j'ai tendance à anticoaguler. Notre équipe a tendance à anticoaguler un petit peu les patients un peu par excès, au-delà d'une surface de l'oreille de gauche, au-delà de 25-28 cm² de surface. On anticoagule les patientes, même lorsqu'elles sont en rythme sinusal. En sachant que le risque, c'est chez ces patientes jeunes, le risque hémorragique est très faible. Donc, on vise un INR autour de 2, entre 2 et 3. Et vu la catastrophe induite par les AVC chez les patientes jeunes en rythme sinusal avec RM, on a tendance plutôt à anticoaguler les patientes. D'accord. Donc, au-delà de 25 cm² de surface, oui. Moi, j'avais un peu peur de prendre la parole parce que je n'ai pas l'expérience de votre service, mais j'avais aussi cette impression parce que j'ai reçu j'ai reçu quelques patientes jeunes avec des rétrécissements mitraux qui ne sont pas si serrés que ça, avec des oreillers dilatés. Et des patientes jeunes qui ont fait un accident vasculaire cérébral ischémique. Et c'est malheureusement un événement qui peut laisser des séquelles très, très graves. Donc, je pense qu'effectivement, à partir du moment où il y a l'oreillette qui est dilatée, soit il faut faire des holters itératifs et screener, et essayer de chercher cet EFA, ce qui n'est pas facile à trouver. Mais je pense qu'il faut avoir plutôt la main facile pour l'anticoagulation,
plutôt que de prendre le risque chez ces patients. Bien sûr, en les prévenant quand même que pour les femmes jeunes, qu'elles auront des règles abondantes, qu'on va surveiller la NFS, etc. etc. Tout ça, on arrive à faire passer les messages. Et puis, c'est des discussions qu'on peut avoir avec les patients. Et finalement, je pense que c'est plutôt sage d'anticoaguler. D'ailleurs, j'ai eu une patiente aujourd'hui qu'on m'a adressée pour contrôle écho. Donc, c'est une jeune femme qui a eu une commissurotomie à cœur fermé il y a 10 ans et qui était sinusale et qui a fait un AVC il y a un mois. Elle a été adressée pour réévaluation. Elle a parosténosé. Elle est à 2 cm carrés, mais elle a une OG à 32 cm carrés. Donc, c'est exactement la réponse à cette question. Elle est sinusale et elle a fait son AVC. Ça corrobore un petit peu le... Exactement, il faut pas hésiter à anticoaguler des patients qui ont une oreillette gauche dilatée et surtout des fois quand on fait le TO et justement il y a des signes de stase importants et même des fois des microthrombies au niveau de l'auricule gauche. Donc c'est vraiment des malades qui risquent de faire des accidents vasculaires cérébraux, c'est des malades qu'il faut anticoaguler même s'ils sont en rythme sinusal. Et par la même occasion, parce qu'il y a une question qui s'est posée, est-ce que la dilatation mitrale est contre-indiquée en post-commissurotomie? Non, même un malade qui a déjà fait une commissurotomie à cœur fermé, on peut le dilater. Donc, ce n'est pas une contre-indication. Bon, alors là, je pose une question à Hesna. La survenue, c'est Mme Abdel, je crois qu'il la pose. Alors, la survenue de fibrillation auriculaire à l'effort, dans un cas litigieux, est-il discriminatif? Certainement, en fait, à l'effort, pas en début, mais à l'effort, certainement, parce que, oui, c'est l'AFA, c'est ce qu'on essaie d'éviter en proposant justement un traitement précoce. Donc, le fait d'avoir une arythmie et à l'effort est un élément en faveur du caractère symptomatique, finalement, de cette sténose mitrale. Et si elle est se prête à une dilatation mitrale, il faut la faire pour éviter justement le passage à une FA chronique. Donc, pour moi, oui. Je ne sais pas ce qu'on pense, Aïcha. On ne pense pas moins. D'accord, ok. Alors, Hesna, encore une question pour toi. C'est Amel Sazi qui la pose. En est-il d'évaluation des patients en FA par écho d'effort? Ça, c'est les patients qu'on n'aime pas trop. On essaie de les éviter, mais ça nous arrive. C'est des patients en général qui ont des antécédents de dilatation mitrale auparavant, qui ont des oreillers dilatés. Et bon, on a des sténoses mitrales, des resténoses mitrales difficiles à juger. Ça nous arrive de les faire, mais il faut, à condition que les patientes soient sous antiarythmique cette fois, et bien ralenties. Et on peut avoir des informations intéressantes tout en sachant que bon, il faut prendre ses précautions, il faut moyenner les gradients, il faut moyenner les pressions pulmonaires. C'est pas toujours facile, c'est généralement des échos d'effort qui se font à deux opérateurs en général pour décider. Moi, je les aime pas trop, hein. On les aime pas. Je sais qu'on les aime pas. Non, on les aime pas trop, mais bon. Je les aime pas trop. Quand c'est un mal qui les demande, on lui refuse pas. Donc. On les aime pas trop, les patients qui sont pas en rythme sinusal pour leur faire des échos d'effort, on les aime pas trop. Hein. D'accord. On ne rien vous cacher. On va pas vous les envoyer, on a compris. pas notre priorité. D'accord. Une question pour toi, Aïcha, justement, quelqu'un qui pose la question. Alors, est-ce quelle est la meilleure incidence de l'échographie pour mesurer les cordages? Alors, il n'y a pas en fait de meilleure incidence pour mesurer les cordages. L'incidence pour les mesurer, c'est là où on les voit le mieux. Alors, on les voit très bien en incidence parasternale gauche, grand axe, en déploiant un petit peu la sonde pour essayer de dégager donc les cordages. On le voit très bien en incidence apicale, 4 cavités, en essayant de béquer un petit peu la sonde et dégager bien la paroi latérale, on voit bien les cordages et l'appareil sous-valvulaire, et on les voit tout aussi bien en incidence apicale 2 et 3 cavités surtout, qui est un équivalent de la parasternale grand axe en apicale. Donc, toutes les voies sont belles pour bien dégager l'appareil sous-valvulaire. Peut-être qu'en apicale, c'est plus facile qu'en parasternale gauche. Mais il ne faut pas hésiter à faire aussi l'apical 3 cavité parce qu'on dégage bien ces cordages. Et c'est un équivalent de la parasternale gauche grand axe, mais par voie apicale.
D'accord. Je voudrais juste partager avec vous un commentaire de notre ami le professeur Fdouech, justement qui parle des pièges de Hatzel qui sont pré-représentés après, dans des situations suivantes. C'est vrai qu'après une valvuloplastie mitrale, il y a une variation de la compliance auriculo-ventriculaire, donc à proscrire dans les 48 heures après les valvuloplasties. C'est vrai, je suis d'accord. Après une dilatation mitrale, on n'évalue pas justement ni le gradient ni la surface mitrale par la méthode de Hatzel. Par contre, c'est la planimétrie qui va nous donner une idée, surtout sur l'ouverture des commissures. Et nous, on aime bien dire le sourire mitral. C'est bien quand on ouvre ces deux commissures et on a un joli sourire. Et en cas aussi d'insuffisance mitrale importante, associer un trouble de la relaxation du VG qui allonge le PHT et qui diminue la surface mitrale. C'est juste pour lire son commentaire. Oui, ça voilà. C'est... Une autre question. Alors, quand il y a une dysfonction, oui, Aïcha, la dysfonction VD à l'effort influe la PAPS et la dysfonction VG effort sur le gradient pour Hesna. Alors, la dysfonction VG à l'effort pour le rétrécissement mitral, elle est plutôt rare. Moi, j'en ai franchement jamais vu dans le rétrécissement mitral isolé parce qu'en général, c'est des patientes jeunes qui ne sont pas coronariennes, qui ne sont pas hypertendues, qui n'ont pas d'autres pathologies. Donc, en principe, s'il y avait une dysfonction VG à l'effort, si ça arrive, eh ben, bien sûr qu'il faudra l'intégrer dans la prise en charge. Il faudra bien sûr l'intégrer. Elle va sous-estimer les gradients, elle va fausser, bien sûr. Mais à ce moment-là, on aura forcément peut-être une augmentation plus importante de la pression pulmonaire et donc ça qui va peut-être augmenter plus rapidement. Mais grosso modo, dans les RM purs, sans autre valvulopathie associée, sans autre pathologie connue, en général, c'est des patients qui ont des ventricules gauches qui sont sains et donc ils ne font pas de dysfonction VG à l'effort. Moi, je vais poser une question à M. Belhej dans la continuité de la dysfonction ventriculaire droite. Quand on vous adresse des patients pour un remplacement valvulaire mitral, pour un RM serré en HTAP, avec une dysfonction ventriculaire droite, vous avez des précautions particulières, vous avez une hantise. Comment vous gérez ce genre de patients? Parce qu'on a quand même un certain nombre de patients ou de patientes qui viennent à un stade assez retardé avec des pressions artérielles pulmonaires pratiquement systémiques. Donc, quelle est votre expérience, quelle est votre attitude, quelles sont les précautions que vous prenez avant d'aller au bloc opératoire? Oui, Aïcha, on voit encore effectivement des malades avec des VD qui dysfonctionnent, avec en général des très grosses insuffisances tricuspidiennes et des PAP systoliques qui peuvent dépasser 100-120 de PAP systoliques. Et ça, il y a que la semaine dernière, on a eu une malade qui est comme ça et ce n'est pas des malades faciles. Ce que je peux vous dire, c'est que le résultat n'est pas fixe. Il y a des malades où tout se passe très bien. Ils sortent de pompe avec une petite dose de drogue et tout, au bout de 3 jours, tout rentre dans l'ordre, ils sont extubés au bout de quelques heures et tout se passe bien. Et on a des malades, effectivement, on a de gros soucis de sortie de pompe quand la PAP systolique est très élevée, quand il y a une grosse dysfonction VG, VD, et tu sais très bien, mieux que moi, que l'évaluation de la fonction VD chez quelqu'un qui a une grosse IT, est très difficile et aléatoire. Alors, ce qu'on fait ces gens-là, d'abord, on pense que l'ancienneté de la maladie, plus les malades, parce que qu'est-ce qui nous perturbe? C'est les HTAP irréversibles. C'est les HTAP qui s'aggravent en post-opératoire et une fois que l'insuffisance tricuspidienne a été corrigée, le VD se retrouve devant une surcharge systolique très importante puisqu'il ne peut plus éjecter dans l'oreillette droite, il n'éjecte que dans l'artère pulmonaire et donc la résistance à l'éjection du VD augmente de façon brutale et on a perturbé un équilibre qui durait depuis longtemps et le VD se met à genoux et un VD qui est à genoux, très difficile à rattraper. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, d'abord quand c'est des malades qui sont très chroniques, qui ont mis 10 ans à évoluer, qui ont été négligés, qui viennent au bout du rouleau,
là, on a peur et on pense à des suites opératoires difficiles et on a toujours du monoxyde d'azote dans le bloc opératoire. Ça, je m'acharne toujours et ces malades-là, la sortie de pompe se fait toujours sous énon. Malheureusement, on ne fait pas beaucoup, et ça aussi, peut-être j'aimerais bien que tu m'éclaircisses, on ne fait pas beaucoup d'évaluations échographiques préopératoires sous énon. Donc, des HTAP majeurs, oui, oui. Pour avoir un effet prédictif, comment va évoluer l'HTAP après chirurgie. Deuxièmement, il faut que la correction de la valve tricuspide ne doit pas être parfaite. Il faudrait laisser une petite fuite tricuspidienne, c'est-à-dire ne pas mettre un anneau trop petit chez ces malades-là, pour laisser une petite fuite tricuspidienne, quitte à reprendre les malades au bout de 3 ans ou 4 ans, si jamais la fuite tricuspidienne redevient importante, mais il faut laisser au VD une soupape. La soupape par la CIA n'est pas une bonne soupape dans la dysfonction VD, par contre, la soupape par la tricuspide peut sauver ces malades-là. Donc, c'est des gros malades. On est partagé entre les récusés, oui, ou les opérer avec un gros risque opératoire en les avertissant, mais en ayant du HNO péropératoire, en utilisant des drogues inotropes, l'argama, manu, en particulier l'adrénaline et la noradrénaline, en plus du Dobutrex, et en ne corrigeant pas de façon parfaite la fuite tricuspidienne. Ouais. C'est ce qu'on fait et on voit toujours des malades comme ça. Ce n'est pas des choses qui ont disparu malheureusement de notre pratique. Je vais juste, tant que j'ai la parole, je voudrais poser à nos deux échographistes, Mme Aouad et Mme Belretti, une question qui a d'ailleurs été aussi posée par l'un des collègues cardiologues, c'est le docteur Ben Nasser. Bon, je vais un petit peu la généraliser. On voit de plus en plus de pathologies dégénératives. On voit de plus en plus de malades qui ont un rétrécissement aortique très récalcifié, qui est candidat à un TAVI, par exemple, qui est associé à une pathologie de la valve mitrale qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle le MAC, c'est-à-dire le mitral annular calcification, avec des surfaces mitrales très difficiles à évaluer. Et ça change du tout au tout la sanction. Si c'est un RAO isolé ou prédominant, donc ça sera un TAVI. Si c'est un RAO associé à un RM dégénératif avec une calcification de l'anneau, et la calcification de l'anneau est une grosse catastrophe chirurgicale, donc il est important chez ces malades de savoir est-ce que le RM est serré ou pas. Alors, est-ce que vous avez une expérience dans ce cas-là? Et c'est tellement calcifié qu'Obi dit on ne voit rien du tout, on ne voit qu'une masse calcaire. Alors, est-ce que l'échographie tridimensionnelle apporte quelque chose? Est-ce que la PISA apporte quelque chose en situation-là? Mais ça, c'est des choses qu'on commence à voir. Et là, on a eu 2 ou 3 cas comme ça et on commence à en voir de plus en plus. Alors, une dernière question à Nesma. Est-ce que, bon, nous, on les voit de moins en moins, mais on voit, est-ce que vous voyez encore autant de RM de nouveau comme ce qu'on voyait il y a 10 ans, 20 ans, où chaque jour, on avait à faire 1 ou 2 dilatations, ce qui nous a fait arriver aux séries des 10 000, 15 000 commissurotomies à cœur fermé qui ont été faites. Est-ce que vous en voyez autant à l'hôpital qu'avant? Alors, je vais d'abord rebondir sur la question que vous avez posée sur les RAO serrés associés à des sténoses mitrales, enfin des magmas calcaires mitraux. Alors, l'anneau mitral calcifié est très souvent associé à une sténose aortique dégénérative calcifiée. Maintenant, pour qu'il y ait sténose mitrale, l'association est un petit peu plus rare. Donc, en fait, là sur le lorsqu'on a un magma calcaire touchant l'anneau mitral, on essaie de se dégager de l'anneau mitral, de monter un peu plus haut pour essayer d'avoir un semblant de planimétrie et se baser là-dessus pour juger et en général pouvoir envoyer les patients pour un TAVI.
Donc ça, c'était pour le RAO associé à la l'anneau mitral calcifié. Sinon, pour les patients, ce qu'on voit toujours autant, le nombre a diminué effectivement, mais nous, on a un biais de sélection. Comme on est un centre de référence de dilatation mitrale, donc on en voit quand même régulièrement adresser au moins 3 ou 4 sténoses mitrales qui sont adressées par semaine pour ETO et décision thérapeutique de tout le monde. Mais il faut savoir que c'est bien entendu parce que c'est un biais de sélection et qu'on est un centre de référence de dilatation. Super. Alors, Nadia, on a le temps encore pour une ou deux questions avant de conclure. D'accord, oui, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à la sténose aortique. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas répondu. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience par rapport au RAC séricalcifié associé à un RM dégénératif calcifié parce que ça ne fait pas le lot de nos patients. En général, ceux qui ont des RM, ce sont essentiellement des RM rhumatismaux. Les RAC calcifiés serrés, de toute façon, quand il y a une grosse calcification annulaire et qu'on ne voit rien, et je vous ai montré un exemple tout à l'heure, effectivement, c'était un patient qui avait un RM dégénératif, celui qui avait des grosses calcifications partout. En général, bon, c'est une fente et on n'arrive pas à calculer la surface mitrale de façon optimale. Quand il y a des grosses calcifications comme ça, ça c'est le pied, hein. On ne peut pas dire est-ce que c'est 0,5, 0,6, 0,7, c'est très difficile. Et je me souviens aussi que je vous avais répondu sur un des comptes rendus, surface mitrale impossible à évaluer. Il semblerait qu'il soit serré, mais je reste au conditionnel, mais sans pouvoir vous donner de façon très précise une surface, parce que ça c'est vraiment les grosses difficultés d'évaluation. Il y a des limites à tout. Peut-être que le TO3D pourrait rendre service dans certains cas particuliers, mais parfois quand c'est gros calcifié, ben c'est calcifié. Hein. Peut-être qu'avec d'autres techniques multimodales, maintenant avec le scanner multibarrette, avec l'IRM, on pourrait éventuellement avoir une meilleure analyse morphologique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Le double remplacement valvulaire, effectivement, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que vous avez des difficultés quand on enlève la valve mitrale et qu'il y a des calcifications annulaires. Je pense qu'il y a des difficultés techniques pour la suture de la valve. Et donc, du coup, c'est des patients chez lesquels il faut essayer de trouver un échappatoire quelconque. Alors, on serait bien ravis de dire oui, le RM n'est pas si serré que ça. Alors, on fait un tavis parce qu'on a l'habitude de le faire, on commence à avoir l'habitude de le faire et puis on voit les choses évoluer. Est-ce qu'on ferait les choses en deux temps? Je ne sais pas. Mais bon, c'est effectivement des malades hyper compliqués et qu'il faudrait vraiment statuer sur leur état en ARTIM avec peut-être deux échographistes, faire une confrontation comme on a l'habitude de le faire, partage de... C'est vraiment... C'est difficile. C'est difficile, j'avoue que c'est difficile. Je vais juste partager avec vous ici une petite remarque de notre ami Imen Douai qui dit, alors pour c'est une petite astuce, en cas d'un rétrécissement serré, un rétrécissement mitral borderline, il faut faire au patient quelques mouvements rapides et réévaluer le gradient mitral et la PAPS. C'est une petite épreuve d'effort gratuite et en rendant un grand hommage et reconnaissance à nos maîtres. Merci Imen, voilà, je voulais partager avec vous ça. Peut-être encore une question. Alors, avant de conclure, exactement, et ça a suscité beaucoup de questions. La place du strain pour décider de l'anticoagulant, Hesna? Qu'est-ce que tu peux nous répondre là-dessus? Comme vous avez vu, déjà, les études abondent pour l'écho d'effort dans le RM. Je ne vous dis pas le strain de l'oreillette gauche dans l'anticoagulation du RM. Alors là, vous êtes sûr que vous n'avez rien. Là, vous pouvez faire la recherche dans la littérature, il n'y a rien. Par contre, oui, le strain a été étudié comme étant un facteur de risque thromboembolique dans les dilatations de l'oreillette gauche en général. Et il semble être un facteur de risque à prendre en considération chez les patients qui ont des oreillettes un peu dilatées et qui feraient peut-être qui sont peut-être candidats à faire de la FA paroxystique. Donc le strain
pourrait être un facteur de risque thrombombolique, mais dans le rétrécissement mitral particulièrement, ça n'a pas été étudié. Franchement, ça n'a pas été étudié comme paramètre pour l'anticoagulation. D'accord, merci Asna. Ben, je crois qu'il est, il se fait un peu tard et on a encore presque plus de 200 participants. Merci beaucoup de rester, rester présent aussi longtemps. Donc, c'est que c'était très intéressant. Et c'est vrai que ça nous donne envie de faire des études parce qu'on a de très, très longues séries. Et il faut, on a la possibilité de faire pas mal d'études, d'évaluation de l'écho d'effort, d'autres paramètres qui n'ont pas été étudiés. Et c'est vraiment qu'il faudrait penser à le faire. Et pourquoi pas, parce qu'on a vraiment tous les moyens de le faire. Ben, je vous remercie tous. Vous avez été... vraiment toutes brillantes, et on a fait, ça nous a permis de rendre hommage à notre maître et mère à toutes, Madame Lhitem, que je dis et qu'on aime tous, et c'était vraiment, c'est à l'unanimité, c'était vraiment de la part de tout le monde, et je vais passer, je crois, la parole à Aïcha pour nous donner le programme de la Société marocaine de cardiologie. Merci. Alors, Monsieur Belhaj, peut-être un petit mot pour la fin, avant que je conclue, un petit mot avant que je prenne la parole, moi, pour conclure, une petite conclusion de votre part. C'est une belle session avec des interventions très intéressantes, didactiques, interactives, où vraiment ça fait plaisir donc, d'assister à ce genre de réunion. Le RM n'est pas terminé. Parler du RM, et on a abordé qu'une petite partie, encore énormément de choses qu'on n'a pas abordées sur le RM. Donc, il y a encore des choses à dire. Je suis entièrement d'accord pour... il n'est jamais trop tard pour faire des études sur ça et là où l'interaction publique-privée prend toute sa valeur. Je dirais bravo à nos échographistes parce que faire une échographie comme ça, ça peut parfois prendre le temps d'une opération chirurgicale. Hein. Et je vous avoue que dernièrement, je suis entré faire une valve mitrale. Madame Ouazzani venait de démarrer une échographie et en sortant, elle venait de terminer son écho. Donc, je rends hommage à vous toutes pour le temps que vous prenez pour vraiment faire une belle écho à un valvulopathe en général et à un RM en particulier. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, avoir beaucoup de bagages intellectuels. Bravo à toutes et merci beaucoup et merci à tous les gens donc, qui ont assisté et qui ont participé jusqu'au bout. Merci. Donc, je reprends la parole pour la synthèse et la conclusion. Donc, merci à tous les participants. Merci à tous les collègues qui ont été assidus tout au long de ces webinaires. Donc, grâce à vous, grâce à votre interactivité, donc, le webinar a pu être mené dans d'excellentes conditions. Merci aux oratrices talentueuses. Merci aux modérateurs et modératrices talentueux. Donc, qui ont animé donc, ce webinaire. Merci au laboratoire FI pour avoir soutenu ce programme. Merci à Tara pour la logistique. Merci pour sa patience parce que tu nous aides donc, bien avant donc, le webinaire. Et donc, on a toujours envie d'apprendre, de réapprendre et on est toujours assoiffé par des thématiques diverses et variées. Donc, le prochain rendez-vous de la semaine est avec nos amis de l'Association des cardiologues privés de Rabat, qui organise un excellent webinaire sur les anticoagulants oraux directs, le jeudi à 19h, si je ne m'abuse. Et quant à nous, Société marocaine de cardiologie, on avait décidé de prendre la retraite, mais non. On va continuer cette aventure avec vous, mais cette fois-ci, on se reverra dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on se reverra le 14 juillet. Je vous laisserai découvrir le programme qui vous a été concocté de façon très minutieuse par le professeur Abdelhamid Mostafir et qui vous réserve toujours de belles surprises. Donc, pour la Société marocaine de cardiologie, merci pour votre présence, pour votre assiduité et on vous retrouve avec le plus grand plaisir le 14 juillet
pour un webinaire rythmologique orchestré par notre président élect, le professeur Abdelhamid Moustapha. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.